Madame, monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce live depuis Casablanca, pour le Smart City Casablanca Symposium, pour cette dernière partie de ces deux jours. Un événement de réflexion et d'échange organisé par Casablanca Events et Animations pour découvrir ensemble quels sont les contours des villes de demain, le changement de nos villes face aux nouveaux défis imposés par cette conjoncture, mais aussi les besoins des citoyens, de vous, madame, monsieur, mais aussi l'apport de digital comme un levier de résilience et de régénération urbaine. On l'a bien vu tout au long des cours, une place prépondérante, cet effort ou stratégie de formation de nos vies, une ambition et une stratégie qui se reflète également dans plénière que nous a tenu tout à l'heure. Je vous rappelle qu'au programme d'après-midi, nous allons avoir une plénière, un workshop. Et le point d'orgue de ces deux jours sera la cérémonie de clôture prévue à 17h30 notamment et qui sera l'occasion de restituer l'ensemble des recommandations et leviers proposés par la cinquantaine d'experts venus d'ici et d'ailleurs. Transformation digitale des services et usages est donc le thème de ce workshop. Il sera modéré par Monsieur Omar Boutan, directeur de l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Mohamedia. Merci de bien vouloir l'accueillir. Bonjour monsieur. Bonjour. Très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui pour parler de ce thème de transformation des villes, transformation digitale. Et je vous laisse notamment le soin pour inviter les panélistes et les speakers. Merci beaucoup. Bien, donc nous continuons donc à dans cette foulée de présentations, de conférences de grande envergure et de grande importance. Maintenant, on va se retrouver avec une plénière sur la transformation digitale des services et usagers. Comme vous le savez, et comme tout le monde le sait, donc maintenant nous assistons à une accélération de transformation et de digitalisation qui est induite par le processus de manière générale de digitalisation. Alors, partout dans le monde, ce processus avance dépendamment de chaque nation, son degré de maturité avec des nouvelles technologies, le niveau d'appréhension de son modèle organisationnel par la population et par les responsables. Par conséquent, nous sommes donc devant une mutation profonde de la société et des usages. Dans ce contexte, Casablanca étant une ville intelligente, s'inscrit dans ce processus. Il est donc amené à digitaliser ses services comme le transport, la santé, l'éducation, la sécurité, le logement et toutes les infrastructures. Alors, pour bien mener tous ces grands chantiers, donc il va falloir des éminents chercheurs, des éminents professionnels pour nous éclairer sur un ensemble de points que je résume sous forme de questions suivante. Comment est-ce que la transformation digitale contribue à améliorer les services urbains et l'efficacité des politiques territoriales? Que serait-il l'impact de transformation digitale sur les relations collectivités, agents, publics et usagers? Quels sont les défis affichés par chaque secteur en termes de digitalisation? Comment est-ce que la transformation digitale permettra de faciliter l'accès des citoyens aux services urbains avec une efficacité et une durabilité optimales. Quelle approche faut-il adopter pour réduire la fracture sociale et numérique? Enfin, quels sont les outils et les solutions de la transformation digitale urbaine concrètes, conçues et implémentées? Alors, pour amener quelques éléments de réponse, de solution. Nous avons donc avec nous un panel très riche en professionnels, en chercheurs, en universitaires qui vont nous éclairer chacun par sa présentation. Alors, nous commençons par le premier, dans l'ordre de passage, Monsieur Mohamed Faisal Nebri. Donc, nous invitons à vous présenter. Monsieur Nebri étant un responsable du département stratégie, développement, coopération et communication, agence de développement digital. Donc, c'est une agence qui est bien ancrée dans tout le processus de digitalisation à tous les niveaux,
de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Nbri. Nous avons avec nous le docteur Saifour Rahman. Il est donc connecté. Docteur Saifour, are you connected? Est-ce qu'il est connecté avec nous? Docteur Rahman? Docteur Rahman? Oui, oui, je le vois. I'm here. Thank you very much, Doctor. So we are so happy to receive you and with us here to share with us your experiments, your expertise in all the theme of smart cities. Je rappelle que le Dr. Rahman, c'est le founding director of the Advanced Research Institute at Virginia. He is a lifetime member of the IEEE organization. He is a professor of electrical engineering and smart cities. Nous avons aussi avec nous le professeur Saïdi Mohamed, professeur et ex-directeur de l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes. Et aussi, il est membre senior de l'institution IEEE et 3E. Donc, il est avec nous avec le thème Resilient Sustainable System Smart Cities for Sustainable Development Goals. Nous avons également avec nous Mehdi Alaoui. C'est le vice-président, Monsieur Mehdi, veuillez vous présenter. Vice-président de l'APBI, c'est la Fédération marocaine des technologies de télécommunication et de l'information et de l'offshoring. C'est le président fondateur de Hack and Pitch, fondateur de la Startup Factory. Merci beaucoup, Mehdi, et ravi de vous recevoir ici avec nous sous la thématique « La puissance des plateformes au service de la ville intelligente ». Avec nous également le professeur Mohamed Talbi, doyen de la Faculté des sciences Benemsik, qui va nous parler de l'impact de la transformation digitale des services publics cas de l'Université Hassan II de Casablanca. Avec nous également Nourdine El-Fawzi, professeur en mobilité intelligente et système de transport intelligent et systems, qui est avec nous par visio de l'Université Gustave Eiffel, sous le thème « Quelle intelligence pour la mobilité et les smart systems, les smart cities ?» Nous vous remercions vivement pour votre participation et votre temps que vous nous accordez. Et donc, nous passons par la première présentation avec Monsieur Nbri Faisal Mohamed Faisal. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour m'avoir adressé cette invitation, mais aussi pour la qualité, en tout cas, du thème Swaji pour ce symposium et aussi la qualité des intervenants qui ont participé. Donc, je vais m'essayer un peu à parler un peu du digital au cœur des enjeux des transformations territoriales en répondant globalement à trois grandes questions. Alors, première question, c'est quels sont les défis et enjeux de la transformation digitale des territoires? Donc, je vais peut-être commencer par poser un peu le contexte en disant qu'aujourd'hui, on observe beaucoup de phénomènes un peu partout dans le monde et des enjeux considérables qui restent à résoudre au niveau des villes et des territoires. Donc on parle de changement climatique, on parle de fractures sociales, de population croissante, d'insécurité, d'urbanisation, de prévention de l'environnement, de préservation de l'environnement, pardon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut catégoriser ces enjeux globalement sur trois grands phénomènes ou transitions. Donc ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire aujourd'hui, on a des besoins de plus en plus croissants de la population et l'importance aussi du vivre ensemble. Donc l'idée, c'est de dire comment on peut assurer des conditions de vie décentes aux 8,5 milliards d'habitants que contraint notre planète d'ici 2030. Il y a aussi une transition territoriale à travers une densité de plus en plus importante au niveau des villes urbaines, notamment. Donc, selon les statistiques de l'ONU et les prévisions de l'ONU, donc près de 70% de la population mondiale vivra en ville d'ici 2025. Et puis, les quatre premières agglomérations dans le monde
auront toutes à peu près un effectif supérieur à 20 millions d'habitants. Nous vivons aussi une transition énergétique et écologique. Vous savez que les villes représentent 75% des émissions de gaz à effet de serre et à peu près 60 à 80% de la consommation énergétique. Alors tout ceci est important, mais il reste quand même une quatrième transition qu'on oublie souvent, qui est la transition digitale et qui un peu bouleverse toutes les transitions dont on vient de parler. D'abord, pourquoi ? Parce que le digital, en fait, il s'attaque aux situations établies. On se rappelle tous du contexte de l'apparition d'Uber et du combat qu'il a eu en faisant ce qu'on appelle la disruption du métier de chauffeur de taxi. Donc, d'ailleurs, il y a eu quand même des débats même au niveau juridique dans certains pays pour pouvoir aujourd'hui dire à Uber qu'il faut qu'elle recrute les chauffeurs qu'elle utilise sous forme de plateforme d'intermédiation. Le digital aussi propose des services rapides, efficaces et innovants. Par exemple, dans l'image de ma présentation, il y a ce qu'on appelle le paiement par carte QR, qui est très répandu en Asie, d'ailleurs, et il permet quand même de petits consommateurs de bénéficier de moyens de paiement à petits frais. Au Maroc, on commence déjà à utiliser les cartes bancaires par NFC, je pense que vous avez dû le constater. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui permet, en tout cas le numérique, permet de proposer des services rapides aux citoyens. Alors il impose aussi de nouveaux modèles économiques. On peut prendre l'exemple du e-commerce avec la chaîne de valeur de distribution qui est de plus en plus réduite. On a plus de contacts directs entre le fournisseur et le consommateur. Donc l'utilisateur commence à être de plus en plus important et donc la désintermédiation commence à s'affaiblir. Alors le digital aussi, il capte une part plus importante de la valeur. Donc on parle tous des GAFA, on sait l'importance des données à caractère personnel, une mine d'or pour ces entreprises du multinational, qu'ils utilisent aujourd'hui pour capter au maximum les clients et leur proposer les meilleurs services possibles. Alors, ce qui est sûr, c'est que la transition digitale facilite les autres transitions que j'ai citées au début. Pourquoi ? Parce qu'il génère des transformations à la fois sociétales, économiques, des usages, donc, pour tous les citoyens et les entreprises, pour tous les territoires. Alors, c'est aussi des enjeux de société très forts, parce que c'est un moteur quand même de croissance économique. Alors, selon la CNUSED, qui fait partie des Nations Unies, on peut estimer, par exemple, l'apport du numérique aujourd'hui entre 4,5% à 15% du PIB mondial. Donc, avec des opportunités d'emploi, ça croît de plus en plus, avec une valeur ajoutée qui est de plus en plus importante dans l'économie. Alors, c'est aussi un facteur de compétitivité pour les entreprises parce que ça leur permet d'améliorer leur efficacité opérationnelle. C'est aussi un défi pour les politiques publiques, pour leur modernisation notamment, à travers en ayant des gains en termes de productivité, mais aussi en termes d'économie budgétaire. Alors, les digitales, ils imprègnent de façon transversale tous les secteurs économiques et sociaux, que ce soit l'agriculture, le tourisme, le commerce, l'industrie, l'éducation et la santé, etc. Alors, à une vitesse frénétique, pourquoi ? Parce que si on prend par exemple le nombre d'utilisateurs qu'a pris le développement, par exemple, d'une technologie. On était à 62 années pour l'automobile, alors qu'on a atteint les 50 millions d'utilisateurs en 2 ans avec Twitter. Alors, cependant, la seule peut-être point sur lequel il faut attirer l'attention, c'est que la transition digitale nécessite quand même des enjeux majeurs en termes d'infrastructures numériques, avec l'explosion de la data notamment, de la consommation vidéo, qui représente 61% du trafic Internet mondial, de la croissance du trafic Internet de façon générale. Donc, tout ceci implique une pression croissante sur les infrastructures numériques, que ce soit les infrastructures télécom, mais aussi digitales. Alors, peut-être la deuxième question qui sera intéressante de voir, c'est en quoi le digital va-t-il permettre, en tout cas, de rendre cette ville ou un territoire de demain smart. Alors, il faut peut-être commencer par poser le contexte, qui est un peu le suivant. C'est qu'on est dans une réalité économique, en particulier durant la phase de pandémie, qui oblige les collectivités à faire plus avec moins. Et pour cela, il y a un excellent rapport de la Banque mondiale, Doing More with Less, que je vous recommande de lire. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, de toute façon, qu'on le veuille ou non, les GAFAM commencent déjà à occuper le terrain des smart cities. Il suffit de voir le schéma que je viens de projeter, où les 4 entreprises qui sont connues, des GAFA, qui ont déjà commencé à travailler sur des projets de smart cities. On peut prendre l'exemple d'Amazon avec les drones de livraison des repas à domicile. Aussi Amazon Alexa qui permet de faire des commandes, de passer à travers une enceinte des commandes vocales. Donc ça, c'est important. Il y a aussi un point qui est très, très, très important, c'est que la vitesse de croissance, de développement des technologies disruptives est aussi quelque chose qu'il faut considérer. On parle beaucoup de technologies, blockchain, IoT, big data, intelligence artificielle. Toutes ces technologies aujourd'hui se développent à une vitesse vertigineuse qu'il va falloir considérer dans le cadre des développements des territoires.
Alors, les applications du digital dans les territoires sont très multiples. Je ne vais pas y passer un certain temps. Je pense qu'il y a des discussions sur ce sujet. Et si on prend par exemple le transport, la mobilité, on parle de ce qu'on appelle l'information voyageur, les parkings intelligents, les plateformes de covoiturage. Pour la sécurité, c'est tout ce qui est vidéosurveillance, le système de prédictif de délinquance. Donc, il y en a plusieurs. C'est peut-être ce qui en a le plus important, qu'on oublie souvent, c'est la participation citoyenne, ce qu'on nomme à travers la Civic Tech, et sur lequel j'ai envie de faire un petit zoom rapide. À travers notamment un exemple aujourd'hui qui est concret, qui s'appelle la plateforme chicaye.ma. Alors, chicaye.ma, je vais en parler plus du côté collectivité territoriale. Il y a eu une présentation hier de mon collègue qui a plus parlé d'un autre outil, mais aujourd'hui, on travaille aussi avec la direction générale des collectivités locales pour implémenter une instance de chicaye pour les citoyens, pour les collectivités territoriales. Donc, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux citoyens d'avoir une relation privilégiée avec l'agent territorial à travers notamment le dépôt, la gestion des réclamations et des observations. Donc, il y a déjà donc ça va bien voir le retour d'expérience des communes qui ont implémenté la solution. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle a déjà permis d'établir une certaine interaction entre les citoyens et l'agent territorial. Peut-être la dernière question que je souhaiterais aborder, en tout cas à travers la présentation, c'est de quelles solutions avons-nous besoin pour avancer? Alors, il y a plusieurs solutions possibles. Donc, je vais lister quelques outils qui sont pour moi, en tout cas, que je considère nécessaires pour assurer la transformation digitale des territoires. D'abord, une stratégie digitale pour les territoires. Donc, toute la planification stratégique des territoires doit passer par le levier digital qu'il faut intégrer systématiquement dans l'élaboration de ces stratégies. Quand on parle digital, on parle de plusieurs leviers. On parle de la partie infrastructure numérique, notamment tout ce qui est infrastructure passive, donc les réseaux télécoms qu'il va falloir mutualiser, les réseaux actifs, etc. Il y a la stratégie sur les données territoriales. Comment extraire les données territoriales aujourd'hui? Beaucoup de projets serveurs, d'intelligence économique. Comment profiter des données qui sont générées par les territoires pour les utiliser comme système d'aide à la décision? Alors, si le stratégie de développement des services, des contenus, des applications numériques, notamment pour les jeunes, c'est quelque chose qu'il faut falloir planifier aussi. Deuxième point, c'est aussi la gouvernance. On pense que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui pour assurer une transformation sociale du territoire. Cette gouvernance, elle doit faire participer toutes les parties prenantes, qu'elles soient collectivités, institutionnelles, entreprises, sociétés civiles, etc. Mais surtout, elle doit placer le citoyen dans le cœur du dispositif de transformation. C'est-à-dire, il faut que le citoyen partir de ses besoins concrets et ce qui touche sa vie au quotidien. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour réussir une transformation digitale du territoire, il faut expérimenter. Donc, il faut mener des projets expérimentaux. Donc, il n'y a pas mieux que de capitaliser sur les initiatives réussies pour apporter une preuve. Quatrième point, il me reste encore quelques secondes, mais je vais bientôt terminer, c'est qu'il faut développer une culture digitale avec de nouvelles compétences, notamment en formant, sensibilisant tous les acteurs du territoire sur l'importance du numérique. Les accompagner pour développer notamment ce qu'on appelle les centres d'innovation, les Fab Labs, les Living Labs. Encourager ce qu'on appelle l'open innovation, développer des partenariats avec les startups dans le cadre d'une approche win-win. Ça, c'est important, parce que ces startups aussi disposent d'une agilité, de solutions innovantes. Et dernier point, c'est aussi de innover un peu en termes de modèle de financement. Et ça, c'est l'exemple qui est aujourd'hui possible. On prend l'exemple de Rojas, qui est une des plateformes qui est connue. Ça, c'est par exemple le paiement à l'usage et aussi un moyen de financement qui est innovant. Donc, il faut aussi innover en termes de modèle économique et d'investissement nécessaire. Voilà. Merci beaucoup, Faisal. Bien, alors, j'ai retenu de votre présentation donc un ensemble de points essentiels, notamment la grande question posée par la transformation digitale. Vous avez évoqué un peu les solutions à l'international, notamment les GAFA, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Également, quelques exemples de plateformes, ainsi que quelques projets réellement concrétisés au niveau du pays, notamment la chicaye, et après quelques solutions que vous envisagez ou bien qui vous semblent utiles, notamment l'encouragement et le développement des infrastructures de télécom et tout ça, ainsi que les startups, encourager les startups et innover en matière de financement. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous passons donc Alors, il y a une question qui, pour les intervenants, de ralentir un petit peu la présentation parce que c'est un peu plus rapide par rapport aux interprètes. Et donc, on essaie un peu d'aller un peu
de manière un peu pas très rapide. Alors, nous recevons en deuxième lieu professeur Saifo Rahman. Are you Saifo? Are you hearing me? I'm here. Yeah, thank you very much. You have the floor. Now you can start your presentation. Thank you. Let me share the screen first. Can you see full screen, Omar? Yes, yes. Okay, merci beaucoup. No, not yet, no. See now? Not yet? No, not yet. Why? Hold on a second. Share screen. Cancel. Let me share again, hold on. Yeah. Share screen. Share. Yeah. Can you see anything? Yes. Can you see full screen now? Sure. Yeah. Yes. Full screen? Yes. Okay. Thank you. Good afternoon. So I'll talk about opportunities and challenges for digital transformation in city services. Meaning, smart city will take time to build step by step. So we have to figure out what services in the city you want to start with first, learn from it, build local expertise so you can maintain it within the city. That's my approach. So let me move on. I will talk about from my experience, what I've seen in some US cities going on as components of smart city. One is called smart energy management, make buildings more smart. Disaster preparedness, flooding, hurricane, earthquake, how do you prepare for it so that when disaster happens, you can recover very quickly. Public safety, ambulance, police car moving, parking spot assistance, meaning you will be able to use an app to see on a street where open public parking is available, you go straight there without having to look for it. Paying bills online, this is happening in many countries now. Facilitate emergency vehicle movement. I'll give you an example in a second. These are the components, opportunities and challenges, meaning how you can make it work. Look at this picture. I'm showing three pictures here. I call this picture elements of a smart city. On the lower right-hand side is a fire engine from New York Fire Department. What they do, the objective is when a fire or emergency is reported, they have to go very quickly to the site of the accident. And you have to make sure you can go there quickly. Smart city examples can be there as well. That's number one. Lower left, again, New York City, the way the traffic lights are designed, when you are in the main avenue, if you go at about 50 kilometers per mile speed, you'll get only red lights, only green lights, no, nothing else, not red, green, red, green. If you are going at 50 kilometers per hour, you'll be going all the way, all green for you. And then people behind you will see all red. That's one example. On the upper left is my building at Virginia Tech, where I work. This pillar, a column, has a light here for people to cross the road so that traffic will stop, they'll cross. So we can make it smart by figuring out how many people are waiting.
if only one thing, you don't stop all the cars for a minute. Because you can have in 1 minute more than 100 cars can pull. So you are stopping 100 cars, just one person to move is not really efficient. So the system can count how many people are there, maybe 5 people, 6 people, then these cars are stopped. Again, that is a component of smart city deployment. The real world example here happening where I work. If you see this picture on the lower right hand side, say it's called 9th Street. This is a traffic light in the middle. To the left of the traffic light is a camera sensor, which is detecting the ambulance coming. This ambulance on the top is in the station, has an emitter. As the ambulance reaches the traffic light, maybe 100 meters from the traffic light, you can see the picture here. On the light, the left-hand side, the bus or the fire truck emit signal that I'm coming 100 meters in advance. The detector, you see on the lower right-hand side, the sensor next to the traffic light will detect a signal coming from a fire engine. It'll then turn the lights green for the fire engine to go, even if there are other people waiting. This is priority setup. This is already happening in some parts of the US. And similarly, if you want to make buses go faster without any long time waiting in traffic, you can apply the same technology. The buses can also emit signal and they'll turn light green for the bus and so on and so forth. Those are happening today that can be deployed piece by piece. That's one issue. Second part I call connected transportation. You cannot have every street available for cars. If you do, then you got congestion. So what we have seen here is in Washington, D.C., some streets are for bikes only or pedestrian only. What you do is Z means Zipcar locations. You rent a Zipcar. Suppose you come in from a metro, rent a car, go 2 kilometers near your office where you have to go, and then walk or ride a bike. So those bike stations are available in many places, which can be rented with an app by the traveler. So this is a connected transportation, meaning you have public transport like a metro bus, get a car, and then go to your destination. That's an example. Second example is very interesting in Stockholm, Sweden. This is an example where priority is given to buses. What happens always, if you see the yellow box in the middle of the page, system allows buses that are more than a minute behind schedule to automatically receive priority at traffic lights. This bus, the blue vehicle, came from the right-hand side. It had a light. Bus was running late by more than a minute. So as the bus approached the intersection, the light turned green for the bus to get in and turn left. It stopped the cross traffic from the other side. Again, very simple concept, but useful. That way you can make public transport be more efficient. Different example. I mentioned this briefly. This is deployment in Atlanta, Georgia. Lamppost with a camera. Lamppost to lamppost, on the right-hand side. That lamppost has lights. They put cameras on the lamppost, which is scanning road all around the lamppost. What is the objective? By scanning with the camera, they can tell if there is an empty parking spot on that side of the street where the lamppost is located. And that information is broadcast by the city government and available on an app. So somebody who is coming into that part of the city want to park their car to go to a building nearby for a meeting, they will not have to spend time going around and looking for an empty spot. The app will show street number 16, Avenue 4, in the corner there is one or two parking spots. That's an example of a smart city. You make life of the citizen more pleasant and efficient. New example,
call it smart trash cans. Trash can is a trash can. What that means is the trash can, people walk, sit down, eat something, and they put the trash in the trash can. Typically, in a big city, the municipality has to come 2 times a day, mid-morning and the evening, to clear the trash, regardless of how full that trash can is, regardless, because they don't know. The small trash can keeps track of the load, how much stuff in the trash can. And it will broadcast that information to the control center trash can in this location. This is Baltimore, US, by the way. Is half full. Don't come today. Come tomorrow. So this is how they can reduce the number of trips they make to empty trash can, which is not full all the time. Second example, Stockholm, Sweden again. Same thing, smart trash can. This does two things. In addition to broadcasting how full that trash can is, it also compacts the trash. You know, in the city locations, these trash cans usually have paper cups, paper, plastic. They take a lot of volume, right? But if you can compress them, you can put much more trash in the same box. So in this case, before, they had to come 1 to 3 times a day to clear the trash. Now they come only 4 times a week. You can imagine the number of lower number of manpower, number one. Energy, and not using diesel, petroleum to bring the truck to the trash can. And you are not using as many people to do the job. So you can have an example of a smart trash can. So now, finishing up my talk now, what is normal, meaning what is happening today? Large power stations, traffic jam, and food being delivered from far distances. Example, the traffic jam you saw in New York City. The lower left-hand side, the grain is coming from, in the US, for example, coming from Kansas, middle of the country, to the East Coast. There's a lot of time and energy. On the right-hand side, new normal. As opposed to large coal-fired power plants, if you can put rooftop solar in some buildings in the city, you don't need to bring as much power from a central power station, number one. Number two, to avoid traffic jam, you can put electrified public transportation. This picture from Casablanca, by the way, you may recognize this. By putting an electrified public transport train, you are letting people to use the train, not have to drive, and not burning as much gasoline to move around. Third example from transporting. Can you speed up, Dr. Rahman? Can you speed up? Yes. Yeah. Okay, I'm almost done. So on the right-hand side, right below right-hand side, example of a hydroponics. Example of a hydroponics. Where they're growing vegetables. Inside the building, not outside. So summary, we can do better employment. Healthcare. Entertainment, public service, in residential buildings, energy distribution, and transportation, using information, communication technologies. So anyway, this is the final thing. We are doing a lot of things. Showing interdependency. Reliability. Resilience. And citizen awareness. Very important. Public has to know these things. Otherwise, there's more. So this is it. I'm giving you my email address. My website, and I'm also on Facebook, LinkedIn, Twitter, and YouTube. Thank you, Doctor. You can find people. Thank you very much. Thank you very much, Doctor Rahman. So, presentation of Doctor Rahman was on real achievements over the world. The presentation was focused on
smart traffic crossing sensitive to traffic volumes, connected transportation, like emergency vehicle priority access. And he gave it some example over the world of the smartness in the city, and some success stories in Europe and in USA, and the best practices. And he finished by some challenges that are related on interdependency, reliability, and resilience, and citizen awareness. Thank you very much, Doctor. Alors, nous passons au troisième panéliste, Monsieur Professeur Saïdi Mohamed. Professeur Saïdi, vous la parole. Let me first of all to share the screen. Share the screen. So can you see the presentation? Vous partagez votre écran ou bien on va le défiler ici? Ok. Je crois que je l'ai déjà partagé. Je ne sais pas si Je ne sais pas si vous. Non, on vous voit pas. D'accord. C'est bon. OK. Parfait. OK, thank you so much for having me. Thank you so much for having me. Wonderful panel. The talk I am covering will focus on resilience, sustainable SDGs. Well, as you know, the digital transformation for cities is enabling cities to be more sustainable, more resilient. And in this talk, we will explore the way to use sustainability and resilience to reach or to to attain the objectives set by the UN agenda for 2030, the Sustainable Development Goals. Well, I am happy that most of the former presentations already covered most of the definitions that I have included in the presentation. That will certainly help me save some time. So you have the outline of the presentation here. So I just skip it and go to the also. Okay, so I would start here from the first internationally agreed definition for sustainable smart cities that was introduced by the ITUT focus group on smart sustainable cities a few years ago. So a smart sustainable city is an innovative city that uses information and communication technologies and other means. This is also just to reflect the different, I would say, tools, technologies brought in by the digital transformation to improve quality of life, efficiency of urban operation and services, and competitiveness while ensuring that it meets the needs of present and the future generations with respect to economic, social, environmental, as well as cultural aspects. So the second part of the definition focuses on the sustainability feature of the city we're trying to address through the digital transformation we're implementing within cities. In terms of applications, I will not really repeat what was said through the former presentation. There are many use cases, presentations within the smart city that focus on all kinds of verticals, such as economy, people, environment, mobility, energy, water, and so on and so forth. Digital transformation is having an amazing impact on society at different levels. So the smart cities is only one of the, outstanding applications of the digital transformation within cities. There are many other applications that cover all kinds of, applications. Even at the society level, we talked today about Society 4.0 and even Society 5.0, we'll see later on, that are impacted
and enabled by the digital transformation. There are also all kinds of technologies involved. You have here a set of technologies that are involved that probably we can discuss later all in detail. Of course, there are amazing and unprecedented business opportunities and in general terms, many opportunities for different stakeholders, either government, industry, and academia, even for societies. Well, in this slide, you can see the quick definitions of Society 4.0 and Society 5.0. I just focus here on the resilience aspect, which is absolutely for today, especially in the I would say the framework of the ongoing pandemic. So countries, societies were really trying to be resilient, resorting to different solutions, especially solutions based on the digital transformation. In this slide, you can see also a link between Society 5.0 and the Sustainable Development Goals through the different technologies that are enabling this link between different features, either the technologies that were mentioned before in terms of digital transformation, such as IoT, artificial intelligence, and so on and so forth. But you have also many other applications or specific applications in different areas and sectors like education, healthcare, energy, water, environment, and so on and so forth. The smart cities are covering different areas. We have here the main, areas that are covered by smart cities, which are expressed in terms of features such as smart health, smart education, mobility, energy, government, and telecommunication infrastructure. You have also some examples here that links the smart cities applications with the sustainable development goals. For example, the smart water management, which is a very important component of smart cities, can be related to the SDG number 6, which is targeting to have clean water and sanitation. You have at the same time here in this slide the impact of smart water management at different levels in terms of water saving, per capita reduction of up to 10%, which is reducing consumption, reducing leakage, reducing billing also, and reducing costs. Here you have different applications within smart water management for quality monitoring, wastewater treatment, failure prediction, obstruction monitoring, and so on and so forth. In the field of energy, we have also the smart energy with the different applications that are providing very interesting benefits, such as minimal emissions, effective distribution, optimized economy, and enabling regulations. Through smart energy, we can also target key SDGs, such as climate action, which is SDG number 13, and the sustainable cities and communities, which is SDG number 11. In framework of the smart mobility and urbanization, we have also many applications. Some of them were presented by Professor Saifur Rahman. And they are also linked to some SDGs here. You can see the climate action, SDG number 13 and SDG number 11. The smart health is also providing all kinds of applications. You can have here some idea about some of them, but I think that the first presentation and also the second touched base with some of them. And here again, we can link this vertical within the smart city with SDG number 3. Smart education is also the same. In the framework of the pandemic, we have been using all kinds of solutions that could be qualified as a smart education based applications that can certainly help attain or reach the SDG number 4, which is targeting to have quality education. In the field of industry or the industrial revolutions, we have several industrial revolutions. We talk about the fourth industrial revolution, which is based on cyber physical system. But we also talk now about the fifth industrial revolution, which is based on mass customization and cyber physical cognitive systems. This digital transformation of industry
certainly will help achieve the SDG number 9, which is targeting to have industry innovation and infrastructure. There are also other applications in the field of farming. You have the future of digital, also too, as smart farming, which can certainly also contribute to SDG number 2, which is targeting to have zero hunger. Well, this part of the presentation, I will focus on IEEE standards. Probably Saiful Rahman is well familiar with the IEEE standards for smart cities. So we have here a kind of portfolio of different standards enabling smart cities from different verticals and applications within the smart city, from the smart grid, intelligent transportation or mobility, health or smart health. We have also a set of standards, energy efficiency within smart city, IoT, 5G, cybersecurity, e-governance, smart home, smart education also. And this portfolio of IEEE standards is enabling several applications within the sustainable smart city. As you, probably also you know, the there are several frameworks defining smart cities through different architectures. This is the widely accepted one, which presents a smart city set of vertical and horizontal layers. In horizontal layers, you have different technologies, infrastructure, service delivery platforms, application services. While in the verticals, you have different applications with the smart city, such as smart energy or smart economy, smart mobility, and so on and so forth. Now we move to the other component within a resilient smart city, which is the smart resilience. This is, I would say, highly required feature of smart cities today, especially in the framework of this pandemic. How can we make cities resilient? How can we engineered resilience? Can resilience be engineered within a smart city? This question is very pertinent today. What's the definition of resilience within a smart city? We have different definitions. You have this one from a guy from PwC, Mr. Hazim Galal, from Cities and Local Government, Global PwC. So according to this definition, cities are at the forefront of the impact of COVID-19. Those cities that have invested in helping to the all stages of the threat cycle, well, the threat cycle, which is based on sensing, defending, responding, and recovering, have demonstrated their resilience in dealing with the socioeconomic effects of the pandemic. Cities should adopt an integrated approach, working with all stakeholders to enhance their preparedness for future shocks. The same organizations, PwC, proposed in 2020 a very interesting framework for smart city resilience. You can see here in this slide. So you have different components in this framework. So at the bottom, you have the key stakeholders, like citizens, government, private sector, nonprofit organizations, academia. But you have also the threat management cycle, which is based on sensing, defending, responding, and recovering. And then you have the urban domains and enablers. In the urban domains, you have the urban society, the urban economy, the urban environment. And then you have the enablers, such as the capacity and governance, the urban innovation and technology, and the finance and investment. Here we move to another interesting feature within smart cities that describes also how the digital transformation is reshaping our cities today. Can you speak up today? Yes, sure. Please, yes, sure. As you have here, by the International Telecommunication Union. So we also a set of cities that were selected for this operation. You can see here in this slide the cities that were, some of them, of course. You have here also in this slide the KPI structure to measure the city's progress in this process. We have 54 core indicators and 37 advanced indicators that cover several features. You have the dimensions and the category. From dimensions, you have economy, environment, society, and culture. And you have the all categories. The smart city performance. Professor. Yes. Would you like to conclude, yes, please? Okay.
Okay. So this is my last slide. I'm announcing here the IoT Global Cities Alliance. That was launched recently. Working with cities. Adopts strategies to sustainable smart cities. You're invited to join. Interested people to join, welcome. Thank you so much for your time. Thank you very much. Thank you very much, Professor. So briefly, the presentation of Professor Saidi was on. He started by an international definition of the sustainable developments and some related issues like social challenges and urban challenges. And he moves to the digital transformation, all its aspects in services like mobility, energy, education, health, administration, and others. And he speaks about the transition ongoing activities to move from society 4.0 to society 5.0, and he gave it some examples, some real examples on smart cities like smart water management, smart energy, smart industry, education and health, and more issues to related to the integration of smartness in cities. And at the end, he hopes to have a standardization of smart cities. So thank you very much, Professor. And I will move to next speaker, Mehdi. A vous la parole, Mehdi. Professeur Monsieur Mehdi Alaoui, sous le thème puissance des plateformes au service de la ville intelligente. Merci. Bonjour tout le monde. Je voudrais vraiment remercier pour l'invitation au niveau de ce programme. C'est un vrai honneur et plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Je voudrais commencer par dans l'intervention par reprendre ce que c'est le digital. Le digital, dont la tête de pas mal de personnes, c'est voilà une bande de personnes, je dirais des techniciens qui collent des câbles ou des gens qui réparent des ordinateurs. Ça, c'est l'image qu'on a. Alors que le digital, en réalité, il est en train de révolutionner le monde. Et si je partageais avec vous un chiffre très, très simple, quel est le poids du digital dans le monde? En fait, c'est l'équivalent de 23 milliards de dollars, 23 trillions. Ce qui fait de lui, en fait, le secteur le plus important dans le monde, plus important que l'aéronautique, plus important que l'automobile, plus important que Space Industry, c'est le secteur le plus important. Et cela, ça fait pas depuis quelques années, mais ça fait quasiment 20 ans que ce secteur est devenu le secteur numéro 1 dans le monde. Alors, ce que j'ai prévu, c'est vous apporter une définition du digital en 8 points qui sont importants. D'abord, en fait, c'est un secteur de création beaucoup de valeur ajoutée. C'est un secteur transversal qui permet à l'ensemble du secteur avec d'augmenter en termes de valeur ajoutée. C'est investir dans le digital et dans le numérique, c'est un investissement durable qui permettra de construire justement le Maroc de demain. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de privilégier ce secteur. C'est un secteur qui est quand même structuré, qui contribue au recettes fiscales de l'État. C'est parmi les rares secteurs où il n'y a quasiment pas de formel. C'est un secteur qui est quasiment 100% formel. Il propose une moyenne de salaire plus élevée que beaucoup d'autres secteurs. Ce sont des emplois qui sont créés avec un nombre d'ingénieurs important, mais c'est aussi un secteur qui permet en fait d'employer d'autres personnes et de les former très très rapidement grâce aux formations de reconversion. Donc c'est surtout ce qu'on appelle le upscaling. Le ratio chiffre d'affaires emploi du secteur est nettement plus élevé que l'ensemble des autres secteurs. Maintenant, je vais revenir un peu plus sur des choses plus factuelles, plus pragmatiques une fois que j'ai défini ce que c'était le digital et parler justement des plateformes. Et on va prendre un premier exemple qui a été pris tout à l'heure par Faisal, c'est Uber ou les taxis. Uber a complètement disrupté le monde des taxis.
Alors, on a en tête peut-être cette notion de dire la digitalisation, l'écologie, elle est en train de détruire des emplois. C'est peut-être vrai dans certains secteurs, mais en particulier dans le secteur justement des taxis. Et je vais prendre un chiffre à l'appui. Le secteur du taxi à San Francisco avant l'arrivée de Uber, c'était 250 000 dollars de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il vaut 1 milliard de dollars. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que grâce à Uber dans le monde et en particulier à San Francisco, on a vu que la taille du marché a grandi, le nombre de personnes employées dans le secteur a grandi. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver dans plein d'autres secteurs. Et si on prend l'exemple des hôtels et des auberges, aujourd'hui, un Airbnb ou un Booking qui n'ont aucune asset physique, ce sont les champions du monde dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus avec une plateforme et ils arrivent aujourd'hui à drainer un nombre très, très important de clients aux hôtels. Et comme on le sait, le nerf de la guerre, c'est la partie commerce, c'est celui qui vend. Aujourd'hui, un hôtel ne peut plus survivre sans un Booking ou voilà. On va prendre un exemple qu'on voit aujourd'hui dans notre ville Casablanca. C'est la marque avec le logo jaune qui nous permet justement en fait de faire des livraisons à la maison. Alors, vous savez que ce genre de service a explosé dans le monde entier. Uniquement entre Casa et Rabat, cette marque jaune emploie à peu près 2000 personnes. Comme quoi, c'est un secteur voilà qui a créé, je dirais, un nouveau type d'emploi. Je vais me permettre de faire une petite parenthèse. Justement, grâce à ce monde de l'ubérisation, on est en train de voir un changement radical dans les méthodes ou les types de contrats qui existent. On peut déjà dire aujourd'hui que peut-être, enfin moi j'en suis convaincu et vous serez convaincu peut-être aujourd'hui ou dans quelques années que le CDI comme on le connaît est déjà mort. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on fait face à de nouveaux types d'emplois d'indépendants qui font des tâches spécifiques au moment où ils veulent, comme ils veulent. Bien évidemment, il y a aussi des contraintes par rapport à ce genre, je dirais, d'emploi, telles que la sécurité sociale, etc. Mais ce sont des choses qui vont être réglées dans l'avenir, parce que c'est enfin de la même manière que la sécurité sociale existe pour le CDI, elle existera demain pour ce nouveau type d'emploi. Je prendrai peut-être un autre exemple, Tesla. Tesla, en fait, c'est une voiture électrique qui est aujourd'hui produite dans des usines complètement robotisées, avec une capacité de production incroyable, et là où il y a en fait 10 fois moins de pièces qu'une Volkswagen. Aujourd'hui, on voit des startups à la Silicon Valley, en 8 mois, ils créent une nouvelle voiture qui est quelque part imprimée en 3D, qui a moins de pièces, qui est électrique, qui est autonome. Et ça, c'est l'avenir. Enfin, on le sait déjà. La révolution de l'électrique, elle est déjà présente même en Europe. C'est que le démarrage. Et Tesla est devenu plus valorisé que les constructeurs automobiles qu'on connaît. Je prendrai encore un autre exemple dans la fintech. La fintech, si on prend par exemple BNP, qui est la deuxième plus grande banque dans le monde, on rajoute la Société Générale. Leurs deux valorisations communes, c'est même pas la moitié de Alipay ou de Stripe, qui sont des opérateurs fintech qui ont transformé justement les usages de banques. Je prends un autre exemple, peut-être un peu plus marocain. Aujourd'hui, on a de très très grandes banques au Maroc qui ont un réseau incroyable en Afrique. Ça c'est aujourd'hui, mais cette bataille par exemple du système financier est déjà perdue. Pour le Maroc, pourquoi? Parce qu'il y a des grandes fintech au Nigeria, au Kenya, qui ont pu développer des services plus adaptés aux citoyens, qui ont reçu pas mal d'investissements et qui sont devenus des licornes. Et c'est ça, en fait, c'est eux les acteurs bancaires de demain. Fort, bien évidemment, ça va être très difficile qu'on les rattrape. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'on fasse vraiment très attention à investir dans nos startups, leur ouvrir l'accès aux API bancaires pour qu'ils puissent se développer et créer des services de plus en plus adaptés aux consommateurs. Alors, le secteur du numérique, comme on l'a dit, un secteur extrêmement important, il est en train de créer énormément d'emplois avec ces nouvelles plateformes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un secteur qui est le plus important dans le monde. Il vaut 23 milliards de dollars, avec chaque année 7 milliards de dollars d'investissement
dans le secteur. Avec la COVID, on a vu la consommation en fait augmenter du digital, et en particulier avec ce chiffre-là, 60% de plus de consommation de numérique dans le monde. Alors le digital, comme tu disais tout à l'heure, c'est Faisal, ce n'est pas que de la tech, que de la technologie, c'est dans tous les secteurs. C'est dans l'éducation, dans le gaming, dans le e-commerce, c'est du digital marketing, c'est l'industrie 4.0, c'est dans la santé, c'est dans la culture. Et tout ça grâce à des corps technologiques comme l'intelligence artificielle, le big data et d'autres technologies comme l'IoT. Alors, où le Maroc par rapport à ça? Aujourd'hui, le Maroc, malheureusement, est classé 45e sur 50 par rapport à l'indice de résonance digitale. Souvent, il n'est même pas classé dans la majorité, en fait, des rapports internationaux. Alors, je suis convaincu que le Maroc doit prendre, je dirais, un virage et un choix difficile qui est de numériser et de s'adosser sur l'économie numérique. Je pense que c'est une chance pour nous. Il faut qu'on la saisisse rapidement. On a raté plusieurs révolutions industrielles et d'autres. Celle-là, c'est celle qui coûte le moins cher. Parce que qu'est-ce que ça nécessite? Un peu de matière grise, un peu d'équipement, très peu, quasiment pas d'investissement pour justement en fait rentrer dans cette révolution. Mais surtout, un changement fondamental des mindsets et accepter que le digital ne va pas forcément que détruire des emplois. Il va apporter de la transparence, mais on en a besoin de cette transparence dans ce nouveau Maroc. Ce Maroc qui vient de lancer son nouveau modèle de développement. Donc, il est extrêmement important que ce virage, comment dire, soit pris, soit, il faut qu'on lui donne les moyens. Le digital a besoin d'investissement, a besoin de changement de mindset et aussi a besoin, en fait, qu'il y ait une vraie volonté politique pour pouvoir débloquer tout ça. À côté de ça, bien sûr, un autre levier qui est extrêmement important, c'est le levier de la jeunesse. Aujourd'hui, on a besoin d'un capital humain qui est extrêmement, à la fois, qualifié. Et on peut le qualifier très, très rapidement parce qu'on a des formations de reconversion qui sont rapides. On a besoin de former plus d'une centaine de milliers de jeunes pour le digital. Il faut les accompagner, il faut les financer. Voilà, donc je pense que mon temps arrive à la fin. Et pour finir, je dirais, voilà, on a une chance aujourd'hui qui est de s'investir dans le digital et s'investir dans le digital. Dans le digital va impacter notre vie au quotidien, que ce soit dans les services aux citoyens et que ce soit aussi notre vie au quotidien dans des villes. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Nadit. De Monsieur Nadit. Alors, donc, il a commencé par présenter, bien mettre en exergue l'ampleur et le de l'industrie du digital dans le monde. Qui ne cesse d'être de plus en plus important, d'adresser un certain avantage, notamment la création de valeur ajoutée. C'est un investissement durable, c'est un secteur bien structuré, il n'y a pas d'informel, il emploie beaucoup de jeunes et de manière rapide. C'est un secteur qui reste prometteur pour l'avenir. Il a aussi passé par un ensemble d'exemples d'entreprises ou de start-up qui ont progressé de manière exponentielle, notamment le secteur des taxis, les cas de Uber, le cas de la marque jaune de distribution qui crée beaucoup d'emplois, le cas de Tesla, etc. Ainsi que dans le secteur bancaire aussi. Bon, il a aussi relaté la progression de l'utilisation du digital avec la venue de la COVID et il a fini par le positionnement du Maroc par rapport à cet élan, et qu'il dit que le Maroc mérite une bonne position. Il a une position qui mérite d'être bien améliorée, sachant qu'on a un grand potentiel de matière grise. Elle relate la transparence et également elle a besoin d'investissement. Voilà. Merci beaucoup, Sidi. La présentation suivante. J'appelle le professeur Talbi. Donc, à vous la parole, professeur.
C'est Albi. Est-ce que tu vois ma... Non, pas encore. D'accord. Maintenant. Oui. La voix. Oui. On... Très bien. Il y a de l'écho. Tu passes en mode diaporama, s'il te plaît. Ben, je peux pas, j'arrive pas. Je vais essayer. Faut-il. Parce que non, j'arrive pas. Il vaut mieux aller comme ça. Allez-y. Merci. Donc, bonjour, Martin. Merci aux organisateurs associés à ce débat. Il y a un écho. C'est bon, d'accord. Je voulais dire, on a parlé de l'agence digitale des services. Évidemment, on a besoin des intervenants dédiés au niveau métier du digital. et la nécessité de mettre l'infrastructure, et puis aussi un meilleur cadre réglementaire, et enfin une culture du digital dans notre pays. Alors je ne comprends pas pourquoi mon slide n'avance pas. Mais en tout cas, je vais essayer quand même de parler. Donc, l'impact de la transformation digitale, de manière générale, a connu une accélération. Puisque tout va de plus en plus vite. En matière de temps aujourd'hui, c'est l'immédiateté, on veut de l'immédiat. On a parlé tout à l'heure des nouveaux acteurs qui sont les GAFA et qui sont devenus les leaders de l'économie. Et enfin, évidemment, les startups. Aujourd'hui, elles transforment chaque point de friction. En business model, qui a été cité tout à l'heure par les intervenants. Par rapport justement au Maroc, il y a la situation pré-crise avant le Covid et après le Covid.
Le Maroc a connu en 2007 une loi justement qui instaure l'échange juridique. Et en 2017, il y a la création de l'agence du digital. Donc c'est quand même récent, il y a 4 ans. Parmi les missions de cette agence du cadre normatif du service numérique, la contribution au rapprochement du visage de l'administration pour la digitalisation, l'incitation à l'innovation à travers les startups pour une inclusion digitale durable. Et d'ailleurs, le dernier conférencier, on a parlé tout à l'heure de l'importance de ces startups. Le Maroc a connu également l'adoption par les administrations du bureau administratif, du bureau de l'électronique, télé-rendez-vous. Tout ça a fait une accélération du chantier IGOV au Maroc. Et tout ça, c'est grâce justement à la mise en place de la l'ADD. Alors, la situation de l'agence, comme dans tous les pays, évidemment, a imposé au Maroc la signature électronique via le certificat électronique. Les procédures d'octroi des autorisations, on parlait des collègues tout à l'heure. Le conseil également de la ville de Casablanca, les documents officiels. Et on peut citer plusieurs exemples, il a été dit tout à l'heure. Mais par rapport à l'université, l'université également aux citoyens et à l'ensemble des acteurs de l'université. Alors, d'abord, notre projet au niveau de l'Université de Casablanca s'est appuyé sur les orientations stratégiques de l'université, à savoir le projet de la présidente et notamment la stratégie 5I. Qui lie justement le digital, à l'innovation, à la formation et à la gouvernance. Et également, comme vous le savez, le projet 51-17 est adopté par le gouvernement marocain. De point de vue fonctionnel, la couverture du système d'information à l'université, comme j'ai dit, cinq axes évidemment. La e-gouvernance et la transformation digitale, l'innovation, recherche et formation. L'insertion et entrepreneuriat, l'internationalisation et enfin la visibilité, l'inclusion et l'urbanisation du système de formation. Et donc pour cela, il faut garder des plateformes, définir les règles de conception pérenne et technologique, et se consacrer évidemment davantage à l'innovation. Alors, la particularité que nous sommes un établissement de formation, évidemment, il y a le digital learning. En matière d'activités de recherche, les calculs scientifiques, les espaces de stockage, livret numérique du doctorant, etc.
Et puis, évidemment, des services universitaires. Ça peut paraître normal, mais en France, au Maroc, on a un petit retard là-dessus, et d'autres universités, et l'idée, justement, en matière de digitalisation au Maroc. Nous avons voulu que ce système soit agile. Et également mettre en place des pratiques, technologies de l'information, évidemment. Enfin, je vais vous citer quelques, malheureusement, sur le slide. Ce sont justement des documents intégrés. Où il y a plusieurs solutions qui sont proposées. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'enseignement à distance, l'ourat pour l'enseignement des langues, ahdaf pour les filières pour accréditation. Apogée qui gère justement tout ce qui est scolarité d'étudiants. Notre bibliothèque universitaire numérique. La gestion scientifique. Enfin, on peut aussi parler de tatouage. Qui suit les étudiants, qui encourage le temps est terminé. D'accord, alors je termine pour dire que notre université a mis en place au niveau de chaque établissement les centres de learning. Pour la formation à l'enseignement à distance. Et le student learning, c'est l'espace dédié aux étudiants pour se connecter et suivre les cours en ligne. Désolé, le PowerPoint n'a pas fonctionné, je l'ai envoyé. Mais je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Talbi. Désolé. Je résume un peu l'intervention du professeur. Au début, il a évoqué un petit peu l'ensemble des points qui ont été soulignés par les conférenciers, et notamment donc tout ce qui a été redit au niveau de la Smart City, les fonctionnalités, les outils et tout ce qui va avec. Il a quand même insisté sur l'économie numérique, la formation des métiers, sur le métier du digital. Il a évoqué aussi la nécessité d'une infrastructure solide et un cadre réglementaire. Alors, ensuite, il a souligné quelques points, notamment avec la venue de l'agence de développement du digital, surtout sur les projets en relation avec l'université. Et finalement, dresser une liste d'applicatifs que l'Université de Casablanca utilise pour fournir des services à des étudiants et à des enseignants-chercheurs pour gérer toute une plateforme de l'université et pour communiquer avec l'ensemble des acteurs de cette université. Je vous remercie, professeur Talbi. Alors, nous passons à la dernière présentation. Monsieur Nourdine Al-Fawzi de l'Université Gustave Eiffel, à vous la parole. Bonjour, merci beaucoup. Est-il possible de couper le micro? On vous entend mal, professeur. Vous m'entendez là? Oui. Je disais simplement si c'est possible de couper. Bon,
votre micro parce que j'ai un retour. Parfait, merci beaucoup. Donc je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour leur invitation. Et donc, comme je suis le dernier à passer, donc je vais essayer d'adopter un autre point de vue. Mais vous allez voir, donc un certain nombre de choses ont été déjà discutées tout à l'heure. Donc, je vais essayer de mettre ma présentation en mode diapo. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si. Ok. Oui, on vous voit. Bon, ben, très bien. Donc, la question à laquelle je cherche à répondre un petit peu dans le cadre de ma présentation, c'est finalement de se poser la question de quelle intelligence a-t-on réellement besoin, aussi bien pour la Smart Cities, mais pas que. Et donc, la toute première chose que je voulais dire, ben effectivement, je peux vous montrer rapidement quatre figures qui montrent la vraie vie. Donc, effectivement, il y a la vraie imaginée dans la Smart Cities où parfaitement tout est parfait. Et puis, finalement, quand on regarde les situations, c'est des situations très diverses qui soulignent simplement le fait qu'on ne parle pas simplement d'une Smart Cities. Il n'y a pas qu'un seul modèle, mais il peut y avoir plusieurs modèles qui peuvent être adaptés selon, effectivement, le contexte, selon l'aspect culturel, etc. Donc, très rapidement, vous voyez que les deux images en bas concerne par exemple l'Italie et la France. Y a bien évidemment donc, un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément tolérées dans certains pays, qui peuvent l'être ailleurs, etc. Donc la question fondamentale, c'est finalement de dire, ben, quand on parle de la Smart Cities, il faut parler de Smart Cities pluriel avec des modèles différents. Donc il y a globalement dans les schémas actuels, on va dire trois classes, donc un modèle qui est plutôt centré sur l'aspect techno, un autre qui est centré finalement sur l'intelligence qui est issue de partage de la donnée, et puis un autre modèle qui est autour un petit peu d'une ville qui va être co-construite avec les citoyens. Donc bien évidemment, en fonction du schéma qu'on va adopter et en fonction des personnes avec qui on va discuter, chacun va avoir en tête finalement un modèle et pas forcément l'autre. Comme chacun a introduit un peu sa définition, j'essaie aussi d'introduire la mienne. Et puis, je l'ai emprunté principalement à un chercheur italien que je trouve pas mal finalement dans la mesure où elle met quand même un peu l'humain dans la techno, qui dit en gros que la ville intelligente, c'est plutôt une ville qui va investir sur à la fois le capital humain et social, dont les infras, que ce soit les infras relativement anciennes ou nouvelles, comme les télécommunications, mais avec un objectif qui est bien évidemment une croissance économique durable, une qualité de vie meilleure et puis surtout une gestion raisonnée, en tout cas une ressource, utilisation de ressources raisonnée avec une gouvernance participative. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a un point sur lequel je l'ai bien entendu, mais malheureusement, j'ai assisté à l'ensemble du symposium. Donc, il faut bien insister sur le fait qu'on parle de Smart City, c'est relativement réducteur. Il faut vraiment parler à la fois de ville et territoire. Donc, il y a quand même énormément, même s'il y a beaucoup de monde qui habite dans l'urbain, il y a énormément de monde aussi qui sont dans des territoires isolés, en particulier des territoires ruraux. Et c'est le cas principalement du Maroc. Donc, du coup, effectivement, ils ont également, la possibilité, en tout cas, ils ont des aspirations d'avoir aussi des outils qui permettent justement d'améliorer leur vie. Et donc, comme je le disais, donc, quand on parle de la ville, de la Smart Cities, donc la tendance actuelle, c'est quand même, comme cela a été dit, c'est de mettre tout ça en rapport avec les objectifs de développement durable. C'est de parler de villes et territoires inclusifs, équitables. Il y a deux éléments qui ont été dits aussi, c'est les questions de résilience qui se posent maintenant avec une acuité encore importante. Et puis, un élément que je n'ai pas entendu, mais sur lequel j'aimerais quand même insister, c'est de parler finalement de villes et territoires frugaux. Ça veut dire que c'est l'innovation frugale, ce n'est pas l'innovation techno juste pour la techno, mais il faut effectivement partir du besoin
et de dimensionner la solution par rapport aux besoins. Donc, il ne faut pas, aller bien évidemment sur un petit peu des situations où on va déployer la techno et puis on verra bien ce qu'on pourra en tirer. Donc, une fois qu'on a dit ça, l'élément important dont a besoin une smart cities ou un territoire intelligent de façon générale, c'est un mécanisme qui permet de monitorer le sang métabolisme. Alors, quand je parle de métabolisme, l'ensemble des couches, finalement, des flux. On a parlé tout à l'heure de l'énergie, on a parlé effectivement de tous ces traitements d'eau, de déchets, et puis d'un certain nombre de choses, tout ce qui est transport, tout ce qui est sécurité. Et donc, finalement, on se pose un petit peu la question, de ce que pourrait apporter le digital pour éventuellement simplifier la vie des citoyens, c'est des outils qui vont permettre de gérer au mieux les flux dans la ville, quels que soient les flux. Donc, effectivement, la nécessité d'une meilleure connaissance des flux et leur monitoring. On parle aussi de développement durable, il y a deux éléments importants. C'est tout ce qui est sobriété numérique. En gros, quand on déploie les solutions numériques, ça consomme aussi de l'énergie. Il faut quand même le garder à l'esprit. Donc, il ne faut pas non plus, contrebalancer finalement les apports ou les gains apportés en termes d'optimisation par une consommation de ressources qui irait à l'encontre justement des objectifs de développement durable. Et ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est instrumentation juste ce qu'il faut comme instrumentation, d'où l'élément dont j'ai parlé qui est l'innovation frugale. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que je pense qu'effectivement, un pays comme le Maroc, qui a aussi son histoire, et puis il y a par exemple, si je prends juste l'exemple des routes, ce n'est que récemment qu'il y a réellement un déploiement, par exemple, de capteurs sur les routes qui permettent de mesurer un certain nombre de caractéristiques, etc. Et donc, de ce fait, l'avantage du Maroc, c'est qu'on l'a bien, par exemple, sur l'évolution des télécommunications, il y avait à l'époque une poignée de privilégiés qui possèdent le téléphone fixe, et puis l'arrivée de la téléphonie mobile, pratiquement du jour au lendemain, il y a la généralisation et tout le monde a trois ou quatre téléphones mobiles dans la poche, ce qui permet justement finalement de gagner quelques années de retard par rapport au mécanisme existant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris deux cas d'usage pour parler un petit peu de ce qu'on appelle les données d'opportunité. Pour faire simple, c'est principalement des données qu'on collecte et qu'on détourne finalement l'usage pour permettre de nous renseigner sur autre chose. Alors, je vais prendre l'exemple des données de téléphonie mobile pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut arriver à déduire de ces données-là en termes finalement d'éléments qui permettent d'appréhender le métabolisme urbain. Donc, la première application, qu'est-ce que les données téléphonie mobile peuvent nous dire sur la mobilité des gens et puis sur, la qualification, la segmentation, par exemple, de tissu urbain. Alors, donc on a, sans rentrer dans le détail, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer des éléments, il y a deux classes de données téléphonie mobile, sachant que la deuxième classe qui s'appelle NSD est beaucoup plus fine que la première qui s'appelle SDR. Alors SDR, c'est généralement à chaque fois que vous appelez, donc il y a une transaction, donc il vous dit l'heure d'appel, la durée, est-ce que c'est un appel vocal ou éventuellement SMS, est-ce que c'est un appel entrant, un appel sortant, et puis des choses sur les données NSD qui permettent cette fois-ci d'aller réellement avoir des informations sur sur finalement ce qu'a fait l'individu sur une journée, par exemple ici, partir de chez lui, aller au travail, passer un certain temps au travail, rentrer chez lui, puis sortir éventuellement, aller prendre un verre et puis revenir chez lui. Donc voilà un petit peu le type de choses qu'on arrive à voir. Alors, rapidement, il y a deux figures. Donc la figure de gauche vous donne sur le territoire de la région Rhône-Alpes en France,
l'emplacement des stations de téléphonie mobile. Et puis à droite, vous avez le découpage, on va dire administratif, qui sert à faire un peu des recensements et qui sert aussi à qualifier les origines, destinations des gens, les déplacements. Donc vous voyez bien, on arrive effectivement, il y a une densité telle que les stations de téléphonie mobile permettent justement. Oui. Merci d'accélérer un petit peu. Merci d'accélérer. Voilà. Donc voilà. Donc Donc là, vous voyez par exemple, avec ces données-là, on peut avoir des signatures bien caractéristiques. Donc on bat une première signature sur les zones plutôt de travail, les stations de métro, les gares. Donc vous voyez qu'on arrive à segmenter très très finement, uniquement à partir des données téléphoniques mobiles. On peut aussi avoir ce genre de choses en termes, par exemple, d'activité, donc selon les heures de la journée, donc le matin, l'après-midi, etc., et de montrer quelles sont les zones justement qui vont être activées en fonction du moment de la journée. Alors, l'autre type de choses qu'on arrive à voir, c'est justement de reconstituer les itinéraires ou des macro-itinéraires de gens dans la ville. Alors, typiquement, pour vous donner un exemple, vous voyez donc sur cette figure donc la ville de Lyon, vous avez en bleu l'itinéraire qui est fait avec un traceur GPS, et puis en rouge, ce qu'on arrive à reconstituer à partir de téléphonie mobile. Et donc, vous voyez qu'on a quand même une sorte de parfaite correspondance uniquement sur cette base-là. Alors, on peut faire beaucoup de choses là-dessus, mais je préfère passer au dernier cas d'usage, qui est cette fois-ci, qu'est-ce qu'on peut éventuellement récupérer de données téléphonie mobile en termes d'identification de situations atypiques ou anormales. Alors, je donne un exemple. Merci d'accélérer, professeur, merci d'accélérer un peu. C'est ma dernière, avant-dernière slide. Juste pour vous dire, vous avez vu qu'effectivement, en 2019, il y avait le feu qui a brûlé la cathédrale de Paris. Et donc, l'on bleu, c'est la situation normale. Et vous avez le pic qui se retrouve effectivement dans le pic des échanges téléphoniques, juste au moment où il y a cette catastrophe. Et donc, on arrive avec des algorithmes relativement automatiques à, on va dire, émettre une alarme juste au moment, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, et là, je résume ma présentation par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, le digital et puis le besoin en termes de plateforme est vraiment important en termes d'intelligence, de ce qu'on pourrait donner comme outil pour l'intelligence des territoires. Et quand je parle d'outils intégrés, ça veut dire qu'il n'y a pas que la mobilité, il n'y a pas que la santé, mais il faut effectivement arriver à croiser l'ensemble de ces informations de façon à avoir une vision la plus intégrée possible, et surtout qui permettrait éventuellement de modéliser les effets de cascade. Parce que, effectivement, ce qu'on avait parlé tout à l'heure en termes de résilience et de vulnérabilité, la plus grande difficulté qu'on a, c'est que lorsqu'un secteur est touché, effectivement, c'est beaucoup plus électrique, donc elle va avoir des incidents sur l'électrique. Donc voilà, ce que je dirais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. La présentation du professeur Fauzi, quatre points essentiels. En premier, c'est donc plusieurs modèles lorsqu'on veut concevoir une ville intelligente, notamment celle basée sur le partage de données, l'autre basée sur la co-construction. Deuxième point important, une ville intelligente, c'est comme un homme ou bien un être vivant, elle est régie par un métabolisme, donc tout bouge, etc. Le troisième point, c'est de l'innovation frugale. Donc, il faut concevoir des solutions en fonction de ce qu'on a. Et le quatrième point, c'est l'opportunité des data. Donc, c'est pour satisfaire le métabolisme urbain.
Merci beaucoup, professeur. Donc, nous arrivons à la fin des présentations. Je vous remercie beaucoup pour la présentation. Passons un petit moment pour le débat des questions. Non? Justement, si on a une question ou deux à poser à nos différents intervenants avant de clore ce débat au niveau de la salle, est-ce que vous avez une question? Je vois que vous étiez clair et limpide. Très instructif, on a compris que data, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Il y a une ubérisation des services, une digitalisation des usages et la volonté, on l'a vu à travers différentes interventions. Merci à vous pour votre intervention, pour ces pistes de réflexion, ces recommandations pour une résilience territoriale et une régénération urbaine. Merci à vous, madame, monsieur, s'il vous plaît, vos applaudissements. Remercier nos intervenants. Merci beaucoup. Donc, c'est un fait, l'intégration des nouvelles technologies va révolutionner et même repenser les services offerts par les villes aux citoyens dont les besoins ont changé littéralement et catégoriquement lors de cette pandémie. Notre ville servicielle ou city service, qu'est-ce que se cache vraiment derrière ce concept? C'est ce que nous allons essayer de comprendre lors de ce deuxième et dernier workshop de cette journée. Je vous rappelle que tout à l'heure, nous avons rendez-vous avec une cérémonie de clôture pour justement une restitution de ces différentes recommandations de notre séminaire, le Smart City Casablanca Symposium organisé par Casa Events Animation en partenariat avec la Wilaya de Casablanca, la Direction Générale des Collectivités Territoriales, ainsi que la Commune de Casablanca. Le contenu scientifique de cet événement a été développé en partenariat avec l'Université Hassan II de Casablanca, ainsi que l'Université Mohamed VI Polytechnique de Benguerir. Donc, madame, monsieur, sans plus tarder, j'invite à me rejoindre sur scène, monsieur Mohamed Khalil, chargé de mission digitalisation auprès de la présidence de l'Université Hassan II de Casablanca, ainsi que ses invités. Je rappelle que nous sommes encore en direct sur la plateforme Smart City Casablanca, symposium.com. Vous pouvez également commenter en direct ce live sur les pages Facebook Oui Casablanca et Smart City Casablanca, ainsi que la chaîne YouTube de Oui Casablanca. Monsieur Khalil, la parole est à vous. Je vous confie donc la scène et j'espère que vous n'allez pas déborder. Voilà, il y a un micro qui est à votre disposition. Et je vous laisse le soin d'inviter vos panélistes. Merci. Test. Merci, Semedi. Donc, tout d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous ici dans ce dernier workshop. Et j'espère que vous aurez un petit peu de patience pour terminer cette conférence avec un workshop très important sur la ville servicielle. Donc, comme vous l'avez remarqué, le titre, c'est « La ville servicielle ». Infrastructure digitale et performance territoriale. Donc, ce sont deux mots-clés qui ont été répétés plusieurs fois. Et là, durant ce workshop, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions à travers nos panélistes. On va essayer d'avoir une idée sur cette ville servicielle. C'est quoi cette ville servicielle? Quelles sont ses caractéristiques? Est-ce que c'est une ville intelligente? Et si elle est intelligente, est-ce que grâce à ces services intelligents, ou bien c'est grâce aux citoyens qui le font? Est-ce que c'est une ville numérique? Est-ce que c'est une ville virtuelle? Est-ce que c'est une ville connectée? Quelles sont les parties prenantes? Quelles responsabilités? Donc, comme vous l'avez remarqué, on va parler ni de cité idéale de Platon, ni de la cité marocaine, ni de la cité romaine. On va parler de la cité marocaine à travers la présentation de plusieurs panoplies d'expériences à travers le monde pour pouvoir apprendre de tout ça. Donc, sans plus tarder, je vais présenter tout d'abord nos chers panélistes d'experts au niveau national et international. Et donc, je fais appel tout d'abord à Monsieur Zouhel Khadissi. Monsieur Zouhel Khadissi, il est entrepreneur digital, consultant et expert international dans le domaine de l'innovation digitale. Bravo, Monsieur Zouhel. Notre deuxième panéliste, est-ce qu'il est avec nous en ligne? Donc, c'est Mr. Levent Gürgen. He is president of the Urban Technology Alliance. Welcome, Mr. Levent. Applaudissements, s'il vous plaît. Notre troisième
panéliste, c'est Madame Karima Shihabi. Elle est avec nous en ligne, elle est enseignante-chercheuse au sein de School of Computer Science, Université Mohamed VI Polytechnique. Applaudissements s'il vous plaît à Madame Karim. Bienvenue, Madame. Notre quatrième panéliste est Tionel Ourali, et directeur de Casa Tassou. Et bien évidemment, comme vous l'avez remarqué, des experts de l'entrepreneuriat, de la City, et aussi nous avons avec nous des professeurs, le professeur Ahmed Toubak, professeur en électronique de l'Université Polytechnique de, et directeur pédagogique de Green Tech Institute. Bienvenue, monsieur Ahmed Toubak. Enfin, le CEO Mbahi, professeur à la School of Architecture de planification de l'Université. Bienvenue, CEO. Voilà, donc nous avons avec nous un panéliste d'experts digital. Je pense que vous connaissez la plupart d'entre eux. Il y a aussi avec nous, on ne va pas vous oublier, nos chers panélistes en ligne. Et sans plus tarder, on va commencer directement par la première présentation de ces autres décès. César, à vous la parole. Salam alaikum. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, d'autant plus que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'événements en présentiel, donc je trouve que c'est une belle occasion. J'espère, Inch'Allah, que cette pandémie, Inch'Allah, sera derrière nous dans les prochaines semaines et les prochains mois grâce à l'effort qui est en train d'être fait sur la vaccination. Alors, c'est un plaisir d'être parmi vous pour, je pense, la deuxième ou la troisième fois au niveau de Smart City Expo. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est une expérience qu'on a sur laquelle j'ai travaillé dans un cadre associatif, dans le cadre d'une initiative qui s'appelle World Summit Award, qui est une initiative mondiale qui est issue des Nations Unies. Et l'initiative a été conduite avec deux villes, avec la ville de Vienne et la ville de Lisbonne, avec un objectif de les accompagner sur dans le cadre d'un projet particulier en termes de Smart City. Sur la base de cette expérience, on a construit une solution qui peut être intéressante éventuellement et qui peut être une très bonne solution, notamment en Afrique, pour accompagner justement cet effort de Smart City. Bon, peut-être la première chose que je voulais peut-être rapidement vous poser, c'est Smart City, une ville intelligente, c'est quoi déjà? Je pense que la première question qu'on se pose, c'est quoi déjà l'intelligence? Alors, je vais juste peut-être me référer à la définition d'Homo sapiens, qui est l'homme intelligent sage qui a émergé il y a plus de 300 000 ans. On va dire que les premières traces, c'est des traces qui ont été trouvées au Maroc il y a quelques années. Et Homo sapiens, en fait, il avait, par rapport aux autres créatures, il avait trois capacités fondamentales qui le distinguent. La première, c'est la capacité de maîtriser le langage. La deuxième, c'est la capacité de vivre en communauté et d'avoir des aptitudes sociales. La troisième, c'est sa capacité d'abstraction et de spiritualité. Donc, voilà un peu comment, on va dire, d'une manière presque, on va dire, sur la base de la définition de Homo sapiens, comment on peut définir potentiellement l'intelligence. Donc, le premier élément qui est fondamental et que généralement on oublie, c'est l'élément du langage. Donc, la maîtrise du langage, d'un langage évolué, quelque chose qui est fondamental pour définir la capacité de l'être humain et son intelligence. Alors, quand on parle de transformation digitale, et je reviens rapidement après à la présentation du projet, quand on parle de transformation digitale, dans beaucoup de cas, on parle de technologie. Et c'est vrai que la transformation digitale, il y a beaucoup d'éléments technologiques qui sont importants, le big data, l'intelligence artificielle, etc. Maintenant, pas suffisamment de quelque chose qui est fondamental, c'est comment on peut driver l'usage. Et pour driver l'usage, il y a un certain nombre d'éléments fondamentaux qu'on doit adopter justement et qui permettent aujourd'hui à aussi bien aux citoyens, aux clients, aux salariés, aux parties prenantes, d'adopter la technologie qui est apportée par la transformation digitale. Et ces éléments, c'est quatre éléments que je vais partager avec vous. Le premier élément, c'est le gaming ou la gamification.
le cerveau humain, le cerveau d'un bébé, a d'abord commencé à apprendre avec le jeu. La première chose, la première compétence qu'un être humain a été capable d'acquérir, c'est la capacité de jouer. Et donc, si on veut qu'un service technologique, qu'une solution informatique, qu'un service citoyen soit adopté, il faut qu'il soit basé sur la gamification. Le deuxième élément, c'est le conversationnel. La deuxième chose qu'un bébé a appris, un enfant a appris, c'est de parler, de comprendre le langage et de commencer à parler. Et donc, le conversationnel est fondamental pour justement avoir un taux d'adoption qui est important. Troisième élément, c'est l'histoire. L'enfant a appris aussi avec les histoires. Et donc, l'histoire est fondamentale aussi dans la logique d'adoption. Et le quatrième élément, c'est la communauté. L'enfant a appris très tôt à vivre dans une communauté qui est sa famille, ses amis, les élèves dans sa classe, etc. Et donc, ces quatre éléments sont les éléments fondamentaux. Et donc, l'objet de cette présentation va d'abord se concentrer sur l'élément conversationnel. Comment rendre nos villes des villes qui nous écoutent, qui nous comprennent et qui nous parlent. Donc, le projet s'appelle, donc le projet au niveau, on va dire, international s'appelle Urba Sapiens. Nous, sur la base de ce projet, on a lancé un projet qui s'appelle UrbaBot, qui est un chatbot intelligent. Donc, peut-être rapidement, je vais rapidement parler de l'entreprise. Donc, Dial Technologies est une entreprise qui existe depuis pratiquement 20 ans. Aujourd'hui, on est présent à Casablanca, mais aussi à Dubaï et à Bruxelles. Et on essaie d'accompagner, en fait, nos clients en termes d'innovation digitale. Bon, je ne vais pas parler de l'historique, mais on a juste un élément ou deux. On a, en 2017, mis en place une solution qui s'appelle Laura, qui a été adoptée par un certain nombre de clients de la place et qui permet, en fait, de comprendre le dialectal et de répondre en dialectal. Donc, de comprendre quelqu'un qui parle en dialectal et de répondre à sa requête. Donc, une ville intelligente, une ville sapiens, un urba sapiens, qui est capable de nous écouter, de nous comprendre et de nous parler. Donc, l'objectif de ce projet, c'est d'abord de mettre en place une solution qui permettrait à nos villes d'être à notre écoute et d'être capable de communiquer avec nous. Et donc, le projet, c'est un projet de chatbot vocal, intelligent, qui est capable de répondre aux requêtes des citadins et des citoyens en termes, par rapport, en tout cas, à leur ville. Pourquoi un chatbot de ce type? Différentes raisons. Parce que c'est important d'être proche du citoyen et c'est important de lui répondre dans sa langue de la manière la plus simple possible et de la manière la plus efficace possible. Deuxièmement, c'est du conversationnel, donc on en a parlé. Le conversationnel, c'est quelque chose qui est très facilement adopté. On voit aujourd'hui que au Maroc, par exemple, WhatsApp, tout le monde utilise WhatsApp, tout le monde arrive à utiliser. Et même des gens qui sont analphabètes utilisent WhatsApp en vocal, et donc ils envoient des messages vocaux et ça marche bien. Ça peut être aussi utile en termes de marque, pour améliorer la marque de la ville. Ça peut être utile aussi pour les visiteurs de la ville, pour les fidéliser, pour proposer un service innovant. Et donc voilà, c'est les différents, on va dire, éléments qui permettent justement de dire pourquoi ce projet. Alors, concrètement, UrbaBot, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de faire quatre grands de services pour fournir des renseignements, donc dans les renseignements autour de la ville, de son histoire, des principales informations relatives à la ville. Il permet la navigation, donc la recherche d'un certain nombre de monuments, de points importants, de centres d'attraction de la ville. Ça permet également d'accéder à un certain nombre de services, notamment un guide de la ville, mais ça peut être élargi à d'autres types de services. Donc, par exemple, je vais prendre le cas de la ville de Vienne. Ce qui a été fait, c'est aussi la possibilité, en fait, qu'un citoyen qui est identifié par un identifiant citadin puisse accéder à des informations relatives à son impôt, etc., à travers le chatbot. Donc, on peut imaginer tout type de services citoyens relatifs à la ville qui peut être accédé à travers ce type de plateforme. Et ça peut être aussi utilisé pour réclamation. Donc, un citoyen ou un visiteur peut interagir avec la ville, déclarer qu'il y a des problèmes sur des sujets d'assainissement, de transport, d'éclairage, etc. Alors, comment
comment c'est basé sur un socle technologique. Donc, dans le projet qu'on a, donc, on va dire qu'on a mis en place et qui a été mis avec les villes de Vienne et de Lisbonne, on s'est basé sur un socle technologique qui est basé principalement sur de l'open source avec un certain nombre de couches. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les couches, mais disons qu'il y a un certain nombre de couches de base et un certain nombre de couches évoluées. Donc, bon, techniquement, on va dire qu'il y a trois grandes composantes d'un élément conversationnel. Il y a une composante computer vision, il y a une composante NLP, donc compréhension de langage, et une composante vocale. Et au-dessus de ça, il y a un certain nombre d'éléments qui sont relatifs au contexte de la ville, à la contextualisation de la ville, et donc beaucoup de données et beaucoup d'éléments aussi stratégiques en termes de parcours qui sont importants à définir. Alors, aujourd'hui, où on en est. Donc, comme j'ai dit, le produit a été déployé. Donc, encore une fois, c'est un projet associatif qui a été déployé dans des villes. Aujourd'hui, qui s'appelle Bot dans la ville de Vienne. La même chose au niveau de la ville de Lisbonne. Aujourd'hui, on a adopté des technologies qui ont été utilisées dans ce projet justement pour lancer un produit. On est en train de tester dans le contexte des villes marocaines en dialectal. La partie apprentissage, donc toute la partie accompagnement apprentissage du bot est en cours de finalisation. Et il y a un travail potentiel qui peut par la suite se faire, qui est un travail d'intégration avec un certain nombre de services disponibles. Alors, tout ça, on le fait avec quoi? On le fait avec un certain nombre de couches sur lesquelles on a travaillé. L'oracle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un moteur qui permet de comprendre le dialectal, qui peut demain comprendre aussi la masière. Donc, c'est un moteur conversationnel qui comprend la parole et qui est capable d'y répondre en dialectal. Avec un outil qu'on a développé qui s'appelle Sapien, et Sapien, c'est en fait un moteur de génération de bots qui permet en fait de configurer, d'apprendre à un bot un certain nombre d'éléments. Et donc, il est basé sur, encore une fois, un certain nombre de technologies donc, dont notamment le NLP, etc. Et qui peut justement comprendre les nuances de la langue et répondre selon le contexte, selon les intentions qui ont été exprimées, répondre aux citoyens ou aux clients. Les deux derniers points, donc, alors ça c'est plus, on va dire, alors ce qui était fait dans le projet donc avec les villes de Vienne et de Lisbonne, c'est aussi le fait de préparer la possibilité d'avoir des robots physiques. Donc il y avait un travail aussi qui a été fait sur deux volets, sur la partie authentification vocale. Donc quand on fait des services aux citoyens, il faut aussi permettre aux citoyens d'être authentifiés soit par la voix ou par le selfie, par l'image. Ça c'est un qui a été fait. Sur ça. Et ce travail a permis, donc aujourd'hui, il y a déjà des prototypes qu'ils ont mis en place, a permis de mettre en place un prototype sous forme d'un robot au niveau de l'aéroport de Vienne. Et ce robot est capable de prendre un certain nombre de requêtes des visites de la ville. Dernier point, c'est la partie envers RPA. Donc, si on veut aller encore plus loin, on peut envisager que ce chatbot va pouvoir non seulement converser, mais il va pouvoir faire des traitements automatisés qui peuvent être des traitements de dossiers, des validations, etc. Et il peut les faire de manière automatique. Donc voilà un peu ce que je voulais présenter comme use case. Donc un projet qui s'appelle Urbabot, qui est une sorte de chatbot intelligent qui parle le langage des citoyens, donc parle en dialecte, qui est capable de comprendre les intentions des citoyens et qui est capable d'améliorer l'expérience du citoyen, du visiteur au niveau de la ville. Et comme je dis, c'est un projet qui peut être porté sur différentes villes de manière facile. Il y a une base de connaissances et de langage qui a été déjà aujourd'hui mise en place indépendamment de la ville. Mais il y a un travail effectivement de contextualisation et d'intégration qui est important, qui peut se faire ville par ville. Et ça peut permettre finalement, in fine, à nos villes d'être intelligentes, d'être capables de nous comprendre, de nous parler et de nous écouter. Merci beaucoup. Merci les ORDC pour cette présentation très pertinente. Et ce projet très ambitieux, on est revenu un petit peu vers l'histoire du Homo sapiens pour pouvoir essayer de décortiquer un peu les fonctionnalités de l'être humain à partir de son cerveau. Vous l'avez remarqué, notre cher panéliste, il a abordé plusieurs thématiques. Une inspiration du cerveau humain pour pouvoir le transformer en technologie vis-à-vis de une ville servicielle, l'appeler aussi une ville intelligente. Premier élément, c'est le langage.
Donc, comment pouvoir créer un chatbot, c'est-à-dire une machine qui parle par écrit, ensuite l'étendre vers la reconnaissance vocale, une machine qui parle, et par la suite, pourquoi ne pas utiliser un petit peu d'imagerie pour visualiser ce qui se passe. Une présentation très intéressante. On a appris beaucoup de choses. Merci encore une fois à CISOL FDC pour cette présentation très pertinente. Voilà, sans plus tarder, on va passer directement à notre deuxième panéliste, Mr. Levant Kurgan du URAS. Yes, can you hear me? Can you hear me? Yes, we hear you very well. So, to recall here, Levant Kurgan is president of the Urban Technology Alliance. And today he will present this society, this company. And, I will tell you, please, if you can share your screen. Yeah. Perfect. We see it. So, Mr. Levan, the floor is yours. Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay, so yes, I have maybe if you can tap the microphone. Okay, great, thank you. Yeah, actually I can speak and understand French as well, but I think for this presentation I will be much more fluent in English, so I apologize for the English presentation. Yes, I'm the president of the Urban Technology Alliance, which is a global alliance for testing and validating innovative smart city solutions, and I'm very happy to be here today in this event, and I would like to thank again to the organizers for giving us this opportunity to present our activities, and I hope to be able to convince you about the importance and the relevance of our activities that you can join us and cooperate together to make the smart city problem a reality. So, very quickly, Urban Technology Alliance is a global network of cities, industry, and academy teaming up to organize this pilot to validate technical, economic, and social angles of innovative solutions for smarter cities. So I will go a bit more in detail in each of these different elements, starting with actually who are we. We are a global network of cities, innovative industry, and academy, free of years of collaboration in this, and eventually incorporated as a profit association established in Geneva, Switzerland, on December 2019. Yes, we have been actually incorporated just at the beginning of this unfortunate global pandemic, certainly slowed down a bit our activities, in particular our physical units, but we are now back, almost back, let's say, with full force with our leading members. Like you can see here, we have cities like Grenoble from France, Santander from Europe, Spain, Taipei City from Taiwan. We have Korean cities like Sejong, Busan, Buncheon, Seong. We have Japanese cities and Vancouver City from North America as well. We don't have yet a city from Africa, so hopefully maybe after this event, if there's any partner who are interested in joining us, we will be very happy to welcome you with us. So what does Urban Technology Alliance do? So Urban Technology Alliance is a worldwide testing environment for smart city solutions. So those solutions, smart city solutions, cannot be validated in the lab environment. They should be given to the cities and to the citizens, who are the only ones that can approve, validate those solutions. UTA does provide this city scale testbeds, not only from the technical perspective, but also from social or economic perspective. Secondly, UTA provides a matchmaking platform to bring all different stakeholders which have complementary skills and for a common objective and goal. So cities are helped with nurture guides in particular. And our purpose is only for the good of cities and the citizens. At the same time, a smart industry, they need such kind of testing environment to
validate their innovation. As I mentioned earlier, they cannot be validated in lab environment. And similar researchers, they need this type of platform to really understand the real needs of the cities and citizens so that they can focus their research on those specific needs. And lastly, UT provides also a global perspective. Indeed, each city has its specificity, it is unique. However, today, many of the environmental, economic, societal challenges are common, and we have to mutualize our resources to face those challenges. To UT shares with members, experiences, and know-how of cities all over. So finally, actually, why we are doing this? So actually, we have been in the smart city domain since many years, and our one of our main observations was that city the market is not yet in the maturity level. So I just want to use this well-known hype cycle diagram to explain a bit the history of the smart technology. So you would certainly remember with the emergence of technologies like Internet of Things, cloud computing, data, we started to see this smart paradigms like smart home, smart industry, smart mobility, and smart cities. And it's about 10 years ago, yeah, and many cities started to claim as being the smart city, right? And they have launched smart city programs. They were great about the domain, and smart city startups that peer raising funds without no problem. However, we have very quickly faced reality where those solutions have been quite disappointing, actually. They did not really respond to the city and citizen needs. So the citizens have been kind of out of the game. They mostly even didn't know what the smart city means. So we suddenly went to this into this true of disillusionment part of this hype cycle. And fortunately, let's say, we have learned from that, and cities learned from that, and cities now kind of launching new strategies. They are defining new roadmaps, including increasing the citizens in the loop. So we are hearing that they are promoting open innovation approach, co-creation with cities, citizen-centric approaches, design thinking methodologies. So these are the terms you probably have heard recently quite often. And we believe that this openness, inclusiveness, will bring the smart city market to the maturity it needs. And this is actually currently happening now. And UTA has been founded to make this path to the mature market as fast as possible. So in summary, to bring the city stakeholders, cities are joining us with their challenges and testing environments, and the industry and academy, they are coming with their innovative solutions and new guidance from the research institutions in particular. And finally, the citizens are the essential part of this landscape, and UT promotes this co-innovation with a citizen-centric approach. So how does UT function? So TA is organized in five working groups. So the core is the testbed working group. It collects the problems from the cities, solutions from the innovators, and build up teams to join forces. Solutions, it should be a complementary. We are all looking at this complementary approach where some partners can come with data platforms, others come with data analysis tools, network providers. And if there are alternatives, which can be the case naturally, so the cities decide which one to choose with some neutral guidance from the academic partners in particular. And around the testbed working group, there are other four other groups that are assisting the testbed working group, namely the technical working group, which is here to make recommendations, providing reference architectures, recommending standards, providing integration plans. Business working group, which is looking for networking opportunities, look for funding opportunities. It can be regional, national, international, European fundings that we are using quite intensively. And finally, the sustainability working group is here to provide KPIs
not only for technical validation, but also KPIs for social acceptance, KPIs for environmental impact, or KPI for the life cycle assessment of those solutions. And finally, yeah, the social working group is here to always raise the voice of the citizens and keep reminding them that the technical partners should keep in mind that the solutions are eventually to best serve the citizen. Part of our networking activities, we are organizing regularly events that bring together not only UTA members and also some partners, guest participants, which are expectedly being full members of the Alliance, to share our experiences and lessons learned. So here you see the list of the participants to our last event that we have organized. We had to do it remotely, obviously, but the next one will hopefully be in physically. So you can explore the program of the event. You can access to the registered videos on our website, on our YouTube channel. So please feel free to join. So actually here, we had also Casablanca City represented by Professor Hayer, that she honored us to give a presentation of their activities as well. So you can explore the presentations to see the current activities of the Urban Technology Alliance. So I just want to finish with some examples of testbeds, what our members are providing. Very quickly, the Sejong City, for instance, which is being kind of the new center of Korea, has recently done large investments in the smart city topic. They are one of the national pilot cities in Korea. They have identified some priority topics like mobility, healthcare, and energy. You can check more details of the presentation of the city and its activities by its head of smart city division. We have, again, another Korean city, Busan, a large consortium of industrial and academic partners helping the Busan city to build this Busan Eco Delta city. What I really like in Busan city is that they have identified, they have given a particular importance to identify those indicators, success measures that you see here, around 28 of them, and which shows that they really know where they want to go. So this is extremely important, not to make other techno-push solutions, but really focused, objective-oriented project. So you can also discover the presentation of the master planner of the Busan Eco Delta City. Taipei City is probably our most populated city member of UTA, has this city as a living lab approach. And they are quite open to international. Yes. Sorry, yes. Mr. Levent, if you can just summarize in less than one minute, please. Yes, sure. Okay, so in any way, you can discover those cities' presentations, Saitama, Fujisawa, in our website and YouTube channels, just to mention that we are indeed leading cities, and certainly those experiences and lessons learned from those cities can certainly help you, and we would be very interested also to get your experience from the smart city domain and share it within our community. So thank you very much, and I'm hoping to see you maybe in a next physical edition. But before that, I guess we will have a Q&A session. So I'm here to be able to respond to any question that you may have. Thank you. Mr. Levent, for this nice presentation, and sorry to interrupt. And I hope you will be here next year with us here in Casablanca to present not an online presentation, but physical presentation. I'm sorry, let's move now to the audience to give you a brief summary of this presentation. Donc là, comme vous l'avez remarqué, la ville intelligente ou la ville servicielle, elle procède par plusieurs dimensions. C'est pas juste la dimension technologique qui intègre toutes les technologies de big data, intelligence artificielle, du cloud, mais aussi il y a la partie économique, sociale, environnementale. C'est tout un package dans lesquels tous les acteurs et les parties prenantes doivent y participer. La deuxième chose, c'est à travers cette organisation qui est leader dans l'innovation technologique,
elle a essayé de partager avec moi une certaine expérience pour dire que on doit peut-être travailler avec une méthode agile, test and learn. Et parfois, il y a des échecs et ensuite on apprend des leçons, puis on peut modifier un petit peu la stratégie pour pouvoir s'adapter avec les nouveaux défis, surtout dans l'ère du digital que nous sommes en train tous de vivre. Donc voilà, un petit résumé, une petite synthèse de cette présentation. Thank you again, Mr. Levent, for your nice presentation. I will return back to you in the debate. Maintenant, on va passer à notre troisième panéliste. Notre troisième panéliste, elle est aussi en ligne avec nous. Bonjour, Madame Karima. Bonjour, Monsieur Khalil. Bonjour, Monsieur Khalil. Donc, pour rappel, Madame Karima est une enseignante chercheuse au sein de la School of Computer Science, Université Mohamed VI Polytechnique. Et sans plus tarder, je vous passe la parole pour faire votre présentation. À vous la parole, Madame Kalima. Merci. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, on voit très bien. Excellent. Donc, cher public, cher invité, tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de cet événement au nom des professeurs Erdouane, professeur Hayar et monsieur Joali de m'avoir invité à cet événement. J'en suis honorée. Alors, le sujet de ma présentation, c'est comment on peut surmonter les défis que pose la donnée pour la ville servicielle. Alors, j'ai trois messages clés à passer. Bon, le premier, c'est que la ville servicielle repose d'abord sur la donnée. J'insiste sur six défis que nous devons surmonter pour pouvoir assurer la réussite de cette ville servicielle. Et je vais exposer quelques résultats de recherche très prometteurs et aussi des problématiques qui sont encore ouvertes. Alors, je pense que durant ces deux derniers jours, beaucoup d'intervenants ont insisté sur la donnée, donc je ne vais pas insister davantage et je vais passer à mon deuxième point qui concerne les six défis que pose la donnée. Alors, le premier, c'est la variété de données qui existent dans le contexte de la ville servicielle. Donc, par variété, on veut dire que les données proviennent de sources différentes sous des formats variés. Par exemple, les données peuvent provenir des objets connectés, de l'open data ou les données ouvertes, des réseaux sociaux et aussi également des sources conventionnelles comme les bases de données relationnelles ou aussi les documents internes au sein d'une organisation. Alors, toutes ces sources diverses produisent des données qui ont des formats différents. Nous identifions des données sous la forme de séries temporelles, donc ce sont des mesures qui sont prises dans le temps. Vous pensez à la température qui est mesurée chaque heure ou chaque jour. On peut identifier aussi les images, les vidéos, les feuilles de calcul, les documents textes et aussi les tables relationnelles. Donc, dans le contexte de la ville servicielle, notamment en ce qui concerne la mobilité, nous pouvons identifier les données qui proviennent des voitures connectées, du téléphone d'un conducteur, de la vidéo de surveillance, des capteurs qui sont dans la rue, des données qui proviennent de la police, ou aussi du département de l'environnement, etc. Donc ça, c'est la première problématique. Alors, la deuxième problématique que nous posent ces données-là, c'est le volume. Donc, ce sont des données qui ont des tailles assez importantes. Et pour vous donner donc une idée de l'ampleur de cette grandeur-là, au niveau mondial, la taille de ces données-là est estimée dans l'ordre des zettabytes. Alors, une zettabyte équivaut à
1 milliard de terabytes ou 1 million de petabytes. Alors, juste pour vous donner une idée, donc un téléphone qui est un des plus performants aujourd'hui, disons, a une capacité de 1 terabyte. Donc, il nous faut 1 milliard de téléphones pour stocker un zettabyte. Alors, si on prend des téléphones similaires, qu'on les met de côté et qu'on on essaie de faire autour de la Terre un cercle, on a besoin de faire le tour 40 fois. Donc, nous avons beaucoup de données. Également, ces données, elles sont produites à une vitesse faramineuse. Et donc, pour qu'on puisse les exploiter en temps réel, il nous faut des algorithmes qui peuvent traiter ces données-là aussi avec beaucoup de rapidité. L'autre problématique, c'est la véracité des données. Et ce qu'on veut dire par véracité, c'est le fait que ces données-là doivent être fiables. Comme vous le savez, si on veut se baser sur la donnée pour avoir des analyses qui peuvent nous éclairer et non pas nous désorienter, il nous faut des données fiables. Et donc, les données au sein de la liste servicielle ne peuvent pas être exploité tel quel dans leur état brut, parce que souvent elles contiennent beaucoup d'erreurs et aussi des imprécisions. Alors l'autre problématique, c'est comment extraire de la valeur de ces données-là. Et ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut développer des algorithmes qui sont assez complexes. Et surtout, c'est un effort qui est interdisciplinaire. Donc, ce ne dépend pas que des chercheurs ou que de l'industrie, mais de la synergie entre toutes les parties prenantes. Bien sûr, en incluant également les citoyens et la ville. Et donc, par exemple, on peut exploiter la donnée pour éviter des accidents, pour éviter, donc pour aussi donner un itinéraire personnalisé à un conducteur, aussi pour aider à la planification urbaine. Et dans le contexte où nous vivons actuellement aussi, pour arrêter la propagation d'une pandémie. Alors, voici 5 problématiques. Le sixième défi qui est posé, c'est la confidentialité des données. Donc, les citoyens doivent avoir le droit décider ou contrôler les données qui peuvent être collectées et exploitées. Donc, je veux partager avec vous quelques résultats de recherche au sein de mon équipe qui sont liés à cette problématique-là de la vie servicielle, et aussi établir quelques problématiques ouvertes. Alors, comment on attaque le volume grandissant des données? Il y a 3 façons de le faire. La première, c'est ce qu'on appelle le scaling down, c'est-à-dire que si on a ces disons pétabytes de données, nous ne touchons pas à toutes ces données-là. Donc, nous développons des algorithmes, des index en l'occurrence, donc des structures de données qu'on appelle des index et des algorithmes adaptés pour ne pas toucher toutes les données. En même temps, garantir une analyse qui est aussi juste que si elle a été réalisée sur l'ensemble des données. Donc, ce sont des algorithmes exacts. Une autre façon de scaling down, c'est de prendre juste un spécimen représentatif de ces données, donc sampling, et de donner des réponses approximatives. Et sur ces réponses approximatives, on peut aussi donner des garanties en termes d'exactitude ou accuracy, en termes aussi d'autres critères qui peuvent être identifiés. Alors, une troisième façon de faire ce scaling down, c'est d'assurer une analyse interactive et progressive. Donc, nous avons proposé des algorithmes qui, conventionnellement, quand un analyste essaye de réaliser une tâche analytique, cet analyste-là doit attendre jusqu'à la fin du traitement. Alors, nous avons proposé une manière de exposer ou lui retourner des résultats progressivement qui convergent vers la solution exacte, et en donnant des garanties sur ces résultats intermédiaires. C'est un travail qui a reçu aussi beaucoup d'attention. Voilà, donc on a dit 3 façons d'attaquer le volume grandissant des données. Scaling down
une possibilité. L'autre possibilité, c'est ce scaling up, c'est-à-dire qu'on prend une machine et on améliore les ressources. Si une machine n'est pas capable de traiter avec efficacité ses tâches analytiques, on peut juste rajouter des ressources, une mémoire qui est plus performante ou un stockage qui est plus grand, ou encore ajouter des processeurs. Cependant, il ne suffit pas de changer la machine pour qu'une application puisse s'adapter. C'est-à-dire, il faut développer des algorithmes adaptés pour pouvoir exploiter cette architecture sophistiquée. Le troisième moyen, c'est le scaling out. C'est-à-dire qu'on peut, si une machine n'est pas suffisante pour répondre à notre besoin en termes de performance, on peut au lieu de changer la machine, on peut juste en rajouter d'autres, et soit au sein d'un cluster, soit dans le cloud, soit dans le edge. Et encore une fois, il faut développer des algorithmes, des structures de données qui puissent décider quel est le meilleur moyen de distribuer ces données et aussi de pouvoir les récupérer de la façon la plus optimale. Alors, nous avons vu donc le problème ou le challenge du volume de données. En ce qui concerne la variété de données, alors traditionnellement, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une data warehouse, donc un entrepôt de données où on prenait les données qui étaient en production, on les transformant grâce à des processus ETL, donc Extract, Transform, Load, on les dépose dans l'entrepôt de données et seulement lorsqu'elles sont traitées, nettoyées, etc., l'analyse peut être faite. Donc, c'est un processus qui est révolu parce que le temps que ça prend pour transformer les données deviennent obsolètes. Et donc, pour pouvoir avoir des analyses qui sont basées sur des données, ce processus est plus fluide. Et donc, maintenant, nous avons ce qu'on appelle les data lakes ou l'acte de données où les données sont gardées dans leur format brut et que seulement lorsque l'analyste a besoin d'une particulière qu'elle est transformée. Et donc, on a parlé aussi d'analytics service où l'analyste ne décide même pas de quelles données elle ou il a besoin. Ce processus se fait grâce à une découverte de données, data discovery, se fait automatiquement. Voilà, donc. Excusez-moi de vous interrompre, si vous pouvez juste résumer. Reste combien de temps? Une minute? En fait, on a déjà dépassé, mais voilà, vous avez d'accord. Pensé. Très bien. Donc, voilà, donc j'ai donné quelques exemples de comment on peut attaquer la problématique du volume. On a aussi travaillé sur la variété des données, comment créer de la valeur de façon scalable. Aussi, on a touché à au nettoyage des données. Moi, je veux juste conclure en disant que pour que les villes puissent vraiment réussir à ce défi d'établir une ville servicielle, il devient important qu'elle participe à financer la recherche ou à aussi partager des données, faire inclure les différentes parties prenantes pour résoudre des problèmes réels, parce que comme on a dit, c'est un travail interdisciplinaire qui prend la collaboration de toutes les stakeholders. Merci. Merci, Madame Kalima, pour cette présentation très intéressante. Et on aurait bien aimé que vous soyez avec nous dans le panel, mais espérons qu'on va se voir ici l'année prochaine, Inch'Allah. Un petit résumé, bien évidemment, Madame Kalima, elle a donné l'aspect académique et recherche à la problématique, et elle s'est focalisée sur un élément très important qui est la data. On dit souvent que data is the new oil. Donc, la donnée, c'est le nouveau carburant. Et là, elle a parlé des différentes caractéristiques de cette data, que ce soit pour la variété de ces données qui peut prendre différents formats, le volume de données. Et d'ailleurs, comme vous le connaissez tous, il y a la donnée, elle double chaque 2 ans. Et donc là, on est ici pour dire qu'il n'est jamais trop tard, parce que s'il y a quelqu'un qui détient toute la donnée du monde entier,
dans 2 ans, il va détenir juste la moitié. Dans 3 ans, c'est un quart. Donc, plusieurs personnes, ils disent, et des chercheurs, que the revolution doesn't happen yet. Donc, c'est pas encore arrivé. Et bien évidemment, il a parlé d'une notion et d'un aspect très important qui freine un petit peu cette open data, c'est la confidentialité. Donc là, il doit y avoir toujours une stratégie de confidentialité derrière pour pouvoir faire tout ceci. Et pour résumer, donc là, l'idée, c'est qu'il doit y avoir une stratégie de gouvernance de données bien établie, bien ficelée, pour qu'on puisse faire communiquer les données entre eux ou bien elles. D'accord? Donc, voilà une idée générale sur présentation. Merci encore une fois, Madame Kalima, pour cette présentation très pertinente. Et sans plus tarder, on va passer directement à notre prochain panéliste. Et on accueille ensemble Monsieur Najib Oradi. D'accord? Donc, dans le panel de ce matin, il y avait votre nom qui a été cité pour nous parler de l'expérience de CASA numérique, CASA prestation avec le fameux schéma directeur de système d'information. À vous la parole. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, je suis très honoré de participer pour la deuxième fois à ce Smart City. Donc, bien sûr, je vais un petit peu m'écarter de mes prédécesseurs dans le sens où on va parler beaucoup plus de choses concrètes, de choses réelles, de choses qui ont été faites par la ville de Casablanca et ce dans le cadre du schéma directeur de transformation numérique. Voilà. Donc pour ce point-là, donc je rappelle que Casablanca Prestation est une société de développement local qui a été créée fin 2014 et qu'elle a été organisée dès le départ en termes de business unit et elle s'est vue confier des études. Une des premières études, c'était le schéma directeur de transformation numérique du Grand Casablanca qui a été terminé et avalisé en 2017. Et parmi les choses qu'elle a instaurées, c'est justement la création de la business unit CASA numérique avec un business model et qui est en charge justement de concrétiser et de mettre en œuvre les schémas numériques de la ville de Casablanca. Bien sûr, il y a eu plusieurs types de projets qui ont été identifiés, des projets software, des projets d'infrastructure, des projets d'accompagnement. Et l'ensemble de ces projets, bien sûr, il y a eu une priorisation. Et les premiers projets qu'on a attaqués, c'est justement les projets d'infrastructure. Étant donné que toutes les applications qui vont arriver vont justement se baser sur ce socle technologique qui est très important. Bien sûr, l'année 2020 elle a connu l'accélération des projets grâce au phénomène de Covid, si je puis dire. Et à ce moment-là, la ville elle a pu continuer son travail au niveau des instances justement parce qu'elle avait déjà pas mal d'outils techniques. Elle avait son cloud, elle avait un outil de visioconférence. Donc, tout était prêt. Donc vraiment, ça a été un changement de façon de travail quasiment instantané. Voilà. Donc je pars la première partie très importante, le volet infrastructure. Il faut savoir que c'est pas juste une problématique propre à la ville de Casablanca, mais c'est une problématique qui est propre à quasiment toutes les communes. Donc c'est un grand frein justement à la réalisation de la ville intelligente et justement que la ville de Casablanca est en train de dépasser. Le premier projet sur lequel je vais parler, c'est la partie réseau local. Donc tout ce qui est réseau local, donc on a la ville de Casablanca bien sûr qui devait être dotée de ces éléments. Donc les équipements économiques ont été dotés en priorité. Je parle du marché de gros fruits et légumes et les abattoirs. Ensuite, on a lancé un projet sur les 17 sites, ça veut dire le siège de la commune et les 16 arrondissements. Bien sûr, avec les dernières technologies. Maintenant, pour aller très vite et achever les projets dans l'espace quasiment d'une année, donc il a fallu confier les travaux à plusieurs sociétés en parallèle pour aller plus vite. Et en termes de salles informatiques au centre, au niveau de chaque site, eh bien, on a recouru à une technologie de micro data center. Donc, c'est un équipement qui est prêt, qui est déposé et qui permet d'aller plus vite en termes de mise en place. Donc, le socle, bien sûr, on a respecté l'état de l'art en termes de câblage, en termes de normes, justement parce que tout de suite après, dans la foulée, on va aller vers d'autres projets, notamment le projet de réseau métropolitain,
la téléphonie IP, la mise en place de stratégies de sécurité au niveau des différents sites de la ville de Casablanca. Bon. Maintenant, sur le réseau étendu, bien sûr, le WAN est toujours très important en termes de communication et en termes de traitement des doléances citoyennes. Si on prend par exemple les annexes administratives qui sont à peu près au nombre de 140 au niveau de Casablanca et qui traitent maintenant un projet stratégique comme Ouattara, je pense que vous en avez déjà entendu parler au cours de cette session. Donc là, ils ont besoin de ces éléments. Ce sont des éléments importants et on a une remontée très importante de problèmes de connexion, de débit, d'arrêt. Et donc la décision a été prise justement de changer toutes les connexions ADSL vers la fibre optique. C'est un effort qui a été consenti, bien sûr, c'est un effort financier d'abord, qui a été consenti par la ville de Casablanca. Et on est en train de réaliser le changement de ligne de connexion. Bien sûr, le nombre qui est cité à l'écran, ça ne dépend que de la capacité de l'opérateur à faire les changements de ligne. Alors, donc l'ordre, il est donné par la ville maintenant. Maroc Télécom, elle est en train de mener l'action. On espère terminer très bientôt la totalité du territoire de Casablanca. Maintenant, pour un premier projet d'ailleurs qui a été précurseur, c'était en 2018. Il y a eu une volonté de lancer un projet très important pour la fiscalité locale qui s'appelle GIRCT. Et ce projet-là, il avait comme prérequis justement l'infrastructure. C'était très important de poser l'infrastructure. Et dans ce sens-là, donc, on a été mandaté par la Direction générale des collectivités territoriales pour changer un petit peu toutes les connectiques qui existaient au niveau des régies, au niveau de la commune de Casablanca, et ça a été fait. Et justement, elles sont toutes actuellement dotées de la fibre optique. Pour le réseau métropolitain, donc je suis en train d'aller dans les différents types de réseaux. Maintenant qu'on a mis en place les réseaux locaux, bien sûr, l'ambition, c'est de passer au réseau métropolitain. Donc, c'est un projet qui est en cours avec un opérateur télécom et ça sera, à ma connaissance, le premier réseau métropolitain ville au niveau du Maroc. Donc, c'est le premier. Donc, il a plusieurs objectifs. La première chose, c'est l'interconnexion des sites de la ville, arrondissement, commune et également le cloud de la ville. Donc, ça va permettre de relier tout ce beau monde. Ça va permettre d'instaurer plus de sécurité, un filtrage, parce que malheureusement, le constat, c'est que parfois, on utilise le web à d'autres sens. Et donc, là, les applications métiers en souffrent. L'optimisation du trafic, parfois on a des sites qui disposent de 2-3 lignes télécom et pourtant ils n'en bénéficient pas réellement, donc avec ce type de projet, eh bien ils vont le faire. Et également la définition d'un plan d'adressage pour toute la ville et ses équipements. Et bien sûr, la fin de ce projet, il est prévu en septembre 2021. Donc on est déjà dans le projet, dans l'exécution du projet, donc courant 2021, on va terminer ce chantier qui est très important. Pour le volet matériel, toujours dans l'infra, le volet matériel, il est très important. Je reviens toujours à l'action, la première qui a été entamée en 2018 au profit de la régie de la commune de Casablanca. Ça a été un effort qu'on a exécuté pour le profit du donneur d'ordre. Et dans cet effort-là, bien sûr, toutes les régies ont été dotées de matériel informatique, multifonction, du matériel monétique, et ce, dans le but de réussir et de gagner le pari d'être le premier site pilote sur le projet GIRCT, ce qui a été fait d'ailleurs. Bon, maintenant, par la suite, donc bien sûr, on a eu un recensement intégral de tout le parc informatique de la ville de Casablanca pour le qualifier. Deux, on est passé par une définition de besoin et le choix stratégique a été arrêté pour l'option de location dans un cadre qui est souple. Bien sûr, le matériel est des normes. Donc, on a choisi du matériel selon l'usage, Donc, il y a les gens de l'agence urbaine, par exemple, qui ont besoin de matériel de type station parce qu'ils font du traitement graphique. Et il y a des utilisateurs qui sont mobiles, il y a des utilisateurs qui travaillent sur place. Tous les ordinateurs, les équipements, bien sûr, sont dotés des éléments. Et, chose très importante, on a tiré un enseignement de la ville de Casablanca, c'est que le consommable est inclus dans la prestation. Parce que l'une des pertes qui était suivi dans le passé, c'est qu'on achète du matériel et le volet consommable ne suit pas. Et donc, bien sûr, c'est du matériel qui est perdu. Donc, la distribution actuelle du matériel, elle est faite et on obéit très rapidement aux ordres qu'on reçoit de la part de la ville, justement parce qu'il y a ce cadre qui est posé et qui va durer pour une durée de 3 ans. Sur le volet logiciel, on a parlé de logiciel collaboratif qui a été utilisé pleinement par toutes les instances de la ville. L'année dernière, il y a eu une dotation massive en adresse mail professionnelle
parce qu'il y a beaucoup d'applications qui ont été déployées dans la ville et qui ont besoin d'utiliser la notification par mail. Donc ça, c'est très important à la partie. Et également, tout à l'heure, on a parlé de données. Donc la ville de Casablanca est en train de se doter. Donc il y a déjà un projet avec une société internationale de mise en place d'une plateforme de données urbaines qui justement permet de recevoir les données structurées, non structurées, d'avoir des capacités d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et qui va réunir quelque part le patrimoine immatériel de la ville de Casablanca. Donc tout ça, c'est des projets d'infra qui sont structurants, qui sont très importants. Et bon, j'ai pas prévu un slide de fin, mais je veux le dire quand même. Donc à ma connaissance, donc la ville de Casablanca sur ce volet infrastructure vraiment très très avancé. Donc on a essayé de poser le socle et tous les cas possibles et imaginables avec les dernières technologies de l'état de l'art pour que les briques applicatives qui vont venir, qui sont en train d'être déjà posées, soient posées sur une base solide et qu'ils soient pérennes dans le temps et qu'ils vivent d'ici quelques années. Et merci. Merci, merci Siguradi pour cette présentation. On est parti d'une présentation académique, on est atterri au terrain, à la pratique, et bien évidemment, on est passé de la donnée, de la data, vers l'intelligence artificielle, mais tout ça, s'il n'y a pas une infrastructure forte, accessible à tous les citoyens, on ne pourra pas vivre dans une ville intelligente, comme vous l'avez vu dans cette présentation, où notre cher collègue a présenté comment ils ont travaillé sur plusieurs projets pour améliorer la connectivité des citoyens, que ce soit à travers des connexions ADSL, fibre optique, etc., pour créer un réseau métropolitain, et sans oublier un aspect très important, la sécurité. Merci encore une fois pour une belle présentation. Voilà, on va passer maintenant, on va revenir au côté académique par des présentations de deux professeurs. Donc, on accueille ensemble le professeur Ahmed Chipak. Il est professeur en génie électrique et en électromécanique, Université Mohamed VI Polytechnique, et aussi il est directeur pédagogique de Green Tech Institute. Prière d'applaudir, s'il vous plaît. Vous la parole. Merci, professeur Khalil. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs d'avoir m'invité pour cet événement fort important pour la ville de Casablanca, mais aussi pour tout le Maroc. Juste une rectification. Donc, je suis effectivement directeur pédagogique, mais aussi également directeur du Green Tech Institute de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Je suis aussi professeur. Auparavant, j'étais professeur au Canada pendant plusieurs années. Permettez-moi de vous parler un petit peu rapidement du Green Tech Institute. Donc, c'est un nouveau institut qui a été créé récemment en collaboration avec le Green Energy Pack de l'INGRIR et qui est dédié essentiellement à tout ce qui est formation, recherche, innovation, donc dans différents domaines, notamment les énergies renouvelables, les smart grids, et tout ce qui est technologie avancée comme l'automatisation, la digitalisation industrielle et l'industrie 4.0. Donc, pour cette présentation, je vais vous parler de la transformation ou les infrastructures digitales pour rendre les villes non seulement intelligentes, mais aussi vertes. Je vais aussi parler ou souligner l'intérêt de faire la recherche et le développement dans quelques domaines clés qui sont la base de la Smart City, notamment le domaine de l'énergie et la gestion intelligente de l'énergie. Donc, pour commencer, il y a une grande concentration de la population donc au niveau des villes. Ces villes produisent que 60% des émissions à gaz à effet de serre. Donc, lorsqu'on veut bâtir une smart city, une ville intelligente, donc, pour effectivement améliorer les services, optimiser les ressources et les gérer efficacement et intelligemment, on doit aussi travailler sur la réduction de dépenses énergétiques et aussi préserver l'environnement et minimiser l'impact environnemental sur les villes. Donc, il faut aussi assurer une certaine continuité des services, c'est-à-dire assurer une certaine résilience des services face aux différentes perturbations
qu'il soit des catastrophes naturelles ou des maladies comme le Covid, etc. Donc, un autre point important que je veux soulever, c'est l'importance de la recherche et développement. Donc, il implique non seulement les industriels qui doivent développer des produits ou des nouvelles technologies nécessaires pour la mise en place des villes intelligentes, mais aussi le monde des chercheurs et des universités qui doivent développer aussi des solutions innovantes technologiques pour faciliter cette transition digitale et faciliter aussi la transformation digitale de nos villes. Donc, au niveau de recherche et développement, donc, il existe différents domaines qui sont émergents et moi, je pense qu'ils sont la clé de la Smart City, notamment tout ce qui est transformation des réseaux électriques et les rendre intelligents ou smart. C'est ce qu'on appelle les smart grids. Il y a aussi le déploiement et l'intégration des énergies renouvelables pour assurer une certaine durabilité de la ville. Il y a aussi tout ce qui est gestion et prédiction monitoring intelligente de l'énergie et la réduction de la consommation de l'énergie. L'adoption de ce qu'on appelle la mobilité verte et durable en intégrant les véhicules électriques et la transformation digitale au sens large en développant des plateformes numériques, des applications, comme les collègues ils ont expliqué tout à l'heure. Donc, si on regarde le premier domaine, comme j'ai dit, donc, c'est le développement des réseaux intelligents, donc dans un objectif qu'il soit résilient, ça veut dire que c'est des réseaux qui sont intelligents, qui permettent sur une certaine continuité de l'énergie et d'être résilient face aux différentes perturbations qui peuvent être, par exemple, à des incidents naturels ou autres. Donc, c'est quoi un smart grid ou le smart grid? Normalement, c'est des réseaux électriques qui sont dotés de différentes technologies d'information et de communication afin de gérer efficacement mais intelligemment le flux d'énergie à la fois entre le producteur et le consommateur. On peut dire que les réseaux intelligents, en fait, ils permettent d'avoir une transmission beaucoup plus efficace d'électricité, ainsi qu'une restauration plus rapide des perturbations d'alimentation. Donc, ça va permettre d'assurer leur résilience face aux différentes perturbations et d'éviter leur mise hors service et ce qu'on appelle les blackouts des réseaux qui peuvent être très négatifs sur la ville et sur l'économie. Donc, on peut dire qu'un smart grid, en fait, c'est une optimisation, il permet l'optimisation à la fois de la production de l'énergie, donc à partir des centrales, etc., la transmission d'énergie, la consommation aux consommateurs, mais aussi, il y a une notion importante, c'est le stockage. Donc, le stockage d'énergie qu'on peut utiliser ou qu'on peut se servir de véhicules électriques comme des réservoirs pour stocker de l'énergie. Donc dans ce cas, le réseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement solliciter les voitures qui sont connectées chez nous à la maison ou au niveau de notre travail, donc pour soit charger, prendre la ligne de ces batteries ou charger ces batteries pour assurer une certaine stabilité de réseau. Donc, comme on voit sur ce schéma, donc, les smart grids, en fait, ils sont constitués par des producteurs. On a les systèmes de production classiques comme les barrages, les centrales thermiques nucléaires. On a aussi tout ce qui est production décentralisée, comme par exemple les éoliennes, les PV, etc. De l'autre côté, on a les charges, donc les maisons, les usines, les villes, et aussi on a, comme vous voyez, l'intégration des véhicules électriques. Donc, deuxième domaine, c'est tout ce qui est intégration des énergies renouvelables, donc dans un objectif de rendre la ville durable. Donc, le but, c'est d'utiliser les énergies renouvelables comme un apport supplémentaire pour
énergétique, en fait, qui est durable et renouvelable, réduire la consommation ou la facture énergétique, mais aussi donc rendre nos villes vertes, propres et respectueuses de l'environnement. Important sur l'intégration des énergies renouvelables au niveau des villes, donc à lequel il faut faire attention, c'est vraiment l'intégration dans le décor. Donc on ne peut pas venir comme ça et mettre des PV, des éoliens, comme ça. Donc il faut que ça intègre dans le cadre des paysages pour laisser la beauté de ces villes. Donc comme on peut le voir ici sur ces figures qui montrent comment on peut intégrer à la fois le PV ou l'éolien dans un décor qui est optimal. Troisième domaine important, c'est tout ce qui est prédiction et gestion de l'énergie. Donc, gestion optimale d'énergie. Donc, notamment, cette gestion doit être réalisée au niveau de tout ce qui est génération, donc stockage et consommation. Donc, pour cela, on a besoin des infrastructures, notamment de l'IoT, des capteurs, des senseurs, les compteurs intelligents. Donc, par exemple, en France, actuellement, donc les compteurs intelligents sont installés pratiquement dans toutes les maisons. Le Maroc aussi, il adopte cette stratégie pour installer les compteurs intelligents. Donc, dans le but d'avoir une qualité d'énergie qui est propre, réduire les consommations, réduire les pertes, réduire les coûts, mais surtout assurer une continuité de la disponibilité de l'énergie et assurer sa résilience, la résilience de réseau électrique. Donc pour cela, on utilise souvent des algorithmes de gestion intelligente qui sont basés sur l'intelligence artificielle, donc pour faire la prédiction, mais aussi pour l'optimisation et la gestion intelligente. Et cette gestion peut se passer à la fois au niveau des maisons, donc au niveau des bâtiments, dans notre quartier, au niveau des usines, mais aussi à l'échelle de réseau national. Quatrième domaine important que je vois très important, c'est l'adoption de la mobilité verte et propre, notamment l'intégration des voitures électriques. Donc, dans ce cas, ce déploiement passe essentiellement par le développement des voitures électriques, mais aussi par les bornes de recharge. Donc, il faut installer les bornes de recharge dans toutes les villes pour permettre d'alimenter les voitures. Et ces bornes de recharge, on peut les utiliser comme des hubs pour avoir donné gérer l'échange d'énergie entre les voitures et les réseaux d'une façon intelligente et optimale. Et aussi tout ce qui est connectivité et système d'aide à la conduite, qu'on peut s'en servir pour rendre le trafic fluide et efficace. Cinquième point, donc c'est la transformation digitale au sens large. Donc c'est vrai, il s'agit de développer différentes applications, plateformes et solutions numériques pour répondre aux besoins des citoyens, mais tout en assurant la continuité de ces services. Donc pour cela, on a besoin de collecter la donnée, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour exploiter efficacement ces données. Mais une chose importante que je voudrais souligner, c'est vraiment ces opérations doivent passer par l'interaction avec les gens. Donc ça veut dire que les citoyens, ils doivent être dans une approche participative et en respectant bien sûr leurs intérêts et sur un principe de volontariat. Rapidement, je vais aller rapidement. Je vais juste parler rapidement des projets de recherche qu'on a actuellement au niveau du Tech Institute de l'UMCSP, notamment dans la ville verte de Béguerir. Donc, on a des projets sur l'industrie 4.0, notamment tout ce qui est prédiction, gestion intelligente de l'énergie, que ce soit avec nos partenaires industriels comme l'OCP, mais aussi dans les villes vertes de Béguerir, donc monitoring de l'énergie dans les maisons. Donc on a aussi des projets qui travaillent qui consistent à améliorer les systèmes de traction. Donc on travaille sur leur conception, dimensionnement et leur mise en place, sur la gestion intelligente d'énergie dans ces systèmes de traction
et aussi sur le relevé des performances des voitures électriques, mais sur le terrain, vraiment, c'est pas sur un décès. Donc, on va lancer une voiture qui va circuler dans la ville verte et on va récolter des données importantes qui vont servir pour le développement du système de travail. On travaille aussi sur les systèmes d'éclairage public, je vais passer rapidement. Et dernière slide, donc on travaille sur le développement des applications médicales. Donc, on a développé deux applications pour l'orientation des patients vers les urgences, donc selon leur pathologie et leur criticité. Et on a développé aussi une application COVID qui va faire le tri des patients COVID et qui va les aiguiller vers les soins nécessaires. Merci à vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, je répondrai avec plaisir tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Chupac, pour cette belle présentation. Comme vous l'avez remarqué, Cyril tout à l'heure, il a fait une petite pensée à l'humain pour pouvoir imiter l'intelligence humaine vers une intelligence artificielle. Notre cher panéliste, il a fait une petite pensée à la nature elle-même, pour bâtir non pas une ville connectée intelligente avec des infrastructures, mais peut-être une ville écologique, durable, qui s'inspire des énergies renouvelables, des smart grids, etc. Donc, merci encore une fois pour cette belle présentation. Et sans plus tarder, on va passer directement à notre dernier panéliste. Nous sommes désolés pour ce petit retard. Nous sommes sûrs que la dernière, ça sera la meilleure, Inch'Allah. Donc voilà, professeur Hicham Bali, professeur à la School of Architecture, de Planification et de Design, Université Mohamed VI Polytechnique. Merci d'accueillir professeur Hicham. À vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. Alors, tout d'abord, donc, je voudrais remercier l'équipe organisatrice, également le comité scientifique, à la tête Madame Awate Fier, également Monsieur Hassan Douan, de m'avoir invité à un tel événement, donc un événement qui relève d'une très grande importance et qui regroupe également un ensemble de thématiques d'actualité. Donc, également, ça me réjouit de voir une nouvelle terminologie, des nouveaux keywords qui sont intégrés dans cette nouvelle édition de la Smart City, donc le terme territoire, parce que, comme vous le savez, quand on parle de la Smart City, on parle de Smart Mobility, Smart Economy, Smart Culture, etc. Et également, on ne peut pas parler d'une ville smart, d'une ville intelligente, s'il n'y a pas de zones avoisinantes qui sont smart. Le cas le plus pédagogique, c'est la ville de Casablanca, et également les villes satellites, donc on a vraiment une concentration importante des activités industrielles et commerciales, et en même temps, nous avons une bonne partie de la population qui abrite dans les villes satellites. Et donc, si on essaie d'étudier uniquement le concept de la Smart City en se concentrant uniquement sur la ville, ben c'est comme si on est en train, en fin de compte, d'étudier les choses d'une manière partielle et partiale, d'où la nécessité, en fin de compte, d'insérer ou bien d'intégrer le mot territoire, parce que quand on parle de territoire, on parle d'un niveau multi-échelle, ça peut être un district, ça peut être une ville, ça peut être une région, une commune, une province, un étendu qui peut même dépasser ça. Et donc voilà. Donc, en même temps, on ne peut pas parler d'une ville intelligente sans parler d'une infrastructure ou bien d'une infrastructure digitale, digital infrastructure, sur le fait d'avoir un ensemble de dispositifs, un ensemble de capteurs qui sont installés partout dans la ville, également dans le territoire, et même un ensemble de dispositifs et un ensemble de capteurs qui sont installés au bord des satellites. On sait très bien qu'actuellement, il y a plusieurs informations satellitaires qui sont fournies avec une résolution spatiale très fine ou bien avec une résolution temporelle régulière qui varie d'une résolution temporelle à une résolution hebdomadaire et qui peuvent être utilisées pour extraire une information utile sur notre territoire. Et donc, le digital infrastructure, ça nous permet tout simplement de faire l'extraction de cette information, de les analyser, de les traiter. Et puis, le concept de la Smart City nous permet d'explorer ces informations pour booster, en fin de compte, la smartness et également la résilience et la durabilité vers un extrémum maximum. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter
l'un des projets de recherche qu'on est en train de mener au sein de la TAP plus D, donc de l'UM6P. Donc, c'est l'Observatoire de la performance territoriale, le TOP tout court. Donc là, donc, il s'agit d'un projet qui est très innovant. Donc, il s'agit d'un projet qui est orienté action et qui vise, bien entendu, à réduire les disparités sociales, économiques, territoriales, etc. Et même, c'est un projet qui vise à faire les analyses comparatives qui permettent à chaque territoire d'émerger par rapport aux autres, tout en implémentant, tout en mettant en place des nouvelles sources d'opportunités entrepreneuriales. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est en fin de compte de répondre à des problématiques qui nécessitent la mise en place d'une approche intégrée, stratégique, participative et pluridisciplinaire, afin de réunir les décideurs et les chercheurs de toutes disciplines pour mieux comprendre et explorer les solutions aux problèmes les plus complexes auxquels la société et également le territoire sont confrontés. Donc, en fin de compte, quand on parle de TOP, l'Observatoire de la performance territoriale, on parle d'un système d'intelligence territoriale qui permet, à travers de la data smart, ça peut être sous forme de cartes dynamiques, interactives, des informations spatiales et géospatiales, un ensemble d'indicateurs pour mieux comprendre les territoires et également évaluer la performance sur les différents plans, à savoir le plan social, le plan économique, le plan environnemental, également la gestion des ressources. Et le but ultime, en fin de compte, c'est d'aider les décideurs, les différentes parties prenantes dans l'aide à la prise de décision et également soutenir l'activité de la planification territoriale. Donc, je vais donc en quelque sorte donc vous montrer ce qu'on est en train de faire au niveau de chaque plan de ces quatre actions que je viens de présenter. Alors, je vais commencer tout d'abord par donc le plan, bien la dimension gestion des ressources. Et là, donc j'aimerais signaler que nous avons une expérience significative en la matière. Nous avons déjà, on vient d'achever un projet que nous avons mené conjointement avec MIT sur le urban metabolism, ou bien le métabolisme urbain. Donc c'est quoi d'abord le urban metabolism? C'est une métaphore de la gestion des ressources dans le milieu urbain et également donne un cadre holistique de la gestion des intrants et également des extrants dans un territoire donné. Et donc, c'est un concept qui nous permet de traduire, en fin de compte, le concept de living organism, ou bien d'un organisme vivant dans un territoire donné. Donc là, donc, nous avons déjà développé tout un framework qui permet d'optimiser les ressources dans le milieu urbain, également à l'échelle territoriale, qui permet également de réduire les intrants. Et quand je parle des intrants, ou bien les inflows, donc je parle des intrants en termes de l'eau, énergie, les matériaux de construction, la biomasse, etc. La façon dont ils sont distribués dans la ville ou bien dans un territoire donné, comment ils sont convertis à des produits prêts à être consommés. Et puis la chose la plus importante, c'est comment on peut réduire les extrants et comment également on peut recycler une bonne partie de ces extrants pour qu'ils soient consommés une deuxième fois dans la ville. Et bien sûr, l'objectif ultime, en fin de compte, c'est de passer d'un métabolisme linéaire à un autre métabolisme qui est circulaire. Donc là, dans cette partie, ou bien dans ce graphe à droite, donc là, vous pouvez remarquer qu'il y a trois types de flux, ou bien trois types des intrants. Il y a les intrants passifs, les actifs, également les hidden flows, mais les flux cachés. Quand on parle, par exemple, des flux passifs, cela nous permet tout simplement d'embrasser la partie liée au changement climatique parce que cela intègre le water balance, carbon balance, également energy balance. Et le fait de prendre en considération l'ensemble de ces balances comme un système couplé nous permet bien entendu d'avoir une idée sur les effets néfastes du changement climatique sur les territoires. Et puis il y a ce qu'on appelle les hidden flows ou bien les flux cachés. Ça consiste tout simplement à estimer ce qu'on appelle le urban heat island ou bien les îlots de chaleur urbains. Ils sont considérés comme une différence de température entre le milieu urbain et le milieu rural. Et nous avons également apporté une contribution significative en la matière en estimant cette grandeur à partir des images satellitaires qui sont fournies par la NASA et également par l'ESA, par European Space Agency. Et là, donc, vous avez un simple, les résultats que nous avons obtenus. Voilà, qui illustre la distribution spatiale de l'environnement thermique à l'échelle de Casablanca, également les zones avoisinantes.
Et en faisant une simple valeur de sillage, vous pouvez bien remarquer les drivers qui contribuent d'une manière significative dans l'apparition des anomalies thermiques au niveau de la ville de Casablanca. Comment je peux revenir? Ok. Ben, c'est pas. Ok. Donc, en même temps, c'est bloqué. Donc voilà. Donc en même temps, donc on peut pas parler d'une ville intelligente si on prend en considération la topographie également les risques, parce qu'on peut développer la solution la plus résiliente, on peut développer la solution la plus smart, la plus durable, mais si on prend pas en considération cette notion de risque et cette notion de topographie, on peut avoir des sérieux problèmes. Et là, je vais vous présenter donc l'un des projets de recherche que nous avons mené, qui consiste à étudier le problème des inondations qui ont touché la ville de Guelmim, et nous avons choisi comme zone d'étude la ville de Guelmim parce que la ville de Guelmim a été inondée à plusieurs reprises durant les 50 dernières années. Et donc nous avons développé toute une méthodologie en utilisant toujours l'information spatiale et géospatiale pour évaluer l'impact des inondations sur l'infrastructure, et également développer tout un système de prédiction qui vont nous permettre, bien entendu, voilà, d'avoir une idée sur les inondations qui vont toucher une zone donnée. Donc là, vous avez un simple exemple des résultats que nous avons obtenus. Et là, vous pouvez remarquer que l'indice que nous avons estimé à partir de cette information spatiale nous permet de mieux délimiter, en fin de compte, voilà, les surfaces qui sont affectées par des inondations. Et cela, bien sûr, permet de prédire l'effet de ça sur la détérioration de l'infrastructure, etc. Donc, je vais faire vite. Donc, afin de comprendre, en fin de compte, l'origine de ces inondations, nous avons développé tout un GDEM, un Global Digitation Elevation Model. Donc, ça reste une information spatiale qui est fournie par Aster. Donc, Aster, c'est l'un des capteurs qui sont installés au bord des satellites Terra et Aqua de la NASA. Et là, vous pouvez remarquer que la ville de Guelmim, qui est matérialisée ou bien qui est illustrée par le cercle B, se trouve entre deux rivières. Donc, la rivière A également, la rivière C. Donc, rivière A, donc, c'est Oued Noun et rivière C, c'est Oued Assak. Et donc voilà, donc il y a une pente importante de 380 mètres qui se termine dans une zone concave avec une profondeur de 200 mètres. Et notre analyse nous a montré que, en fin de compte, il n'y a pas une solution pour lutter contre les inondations qui touchent à chaque fois la ville de Guelmim. Et la seule solution, c'est de délocaliser carrément la ville de Guelmim vers un autre emplacement et d'utiliser, en fin de compte, cette zone concave de 200 mètres de profondeur comme un barrage pour l'approvisionnement en eau potable. Donc, il reste encore la partie sociale que j'aimerais présenter. Donc, le temps presse. Alors, seulement, j'aimerais signaler un point qui est très important. Donc là, c'est le projet, le TOP, l'Observatoire de la Performance Territoriale. Donc, ça reste un projet que nous avons lancé et l'objectif, ou bien le but, c'est pas académique ou bien scientifique, mais on a vraiment un but patriotique pour servir nos territoires, pour servir le Maroc, et également pour servir le continent africain. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Hicham Bey, pour cette présentation de la fin qui a un petit peu mis l'accent sur la partie métier. On a parlé au début du digital, ce n'est qu'un moyen pour pouvoir atterrir vers une performance territoriale qui a été résumée dans cette présentation. Merci encore pour cette présentation. Maintenant, peut-être il nous reste moins de 5 minutes, on va peut-être prendre des questions de l'auditoire, du public, et pour pouvoir ouvrir le débat pour nos chers panélistes. Et ensuite, là, on va terminer cette session. Voilà. Donc, pour qu'il y ait une communication avec le public, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Justement, est-ce que vous avez des questions à poser à nos panélistes concernant le workshop sur la ville servicielle, les infrastructures digitales et la performance territoriale? Je pense que... D'accord.
Je pense que ce sont des. On a eu droit à, une, à des exposés exhaustifs. On a eu droit à une vision 360 sur justement le concept même de la ville servicielle, son implémentation et en même temps quels sont ses prérequis pour la ville servicielle. On a parlé de la data, on a parlé de l'infrastructure digitale, on a parlé de cette anticipation qui est justement donnée par le digital pour concevoir les villes humaines, les villes durables, résilientes, inclusives, économiques et sociales. Merci à vous, messieurs, pour cette intervention. Merci à vous pour vos explications. Et voilà, madame, monsieur, merci de vouloir les applaudir pour tout l'effort accompli pour justement pour nous donner une idée générale sur la ville servicielle. Merci à vous. Belle journée. Voilà. Je pense qu'on a eu vision 360 tout au long de ces deux jours sur les mécanismes et leviers de régénération et de résilience urbaine. Ce fut donc deux jours de débat passionnant, très constructif, autour des solutions technologiques concrètes comme l'intelligence artificielle, l'intelligence collective, la data, l'ubérisation, la digitalisation des services pour une smart city au service de la résilience et de la régénération territoriale. Madame, monsieur, nous arrivons donc à la fin de cette nouvelle édition du Smart City à Casablanca Symposium, l'occasion donc de faire un bilan de ces deux jours d'échange. Je vous rappelle que nous avons eu le privilège d'assister à trois séances plénières, quatre workshops et une cérémonie d'ouverture animée par une cinquantaine d'experts venus d'ici et d'ailleurs. Madame, monsieur, sans plus tarder, je vous prie de bien vouloir accueillir avec moi nos invités pour cette cérémonie de clôture. J'invite sans plus tarder Monsieur Mohamed Jouahri, directeur général de Casablanca Event et Animation. J'invite également Madame Hakima Fosli, vice-présidente du Conseil de la ville de Casablanca, à bien vouloir me rendre sur cette démarrer cette cérémonie de clôture. Je rappelle qu'on est encore direct sur la plateforme de streaming. La plateforme, le site web www.smartcitycasablancasymposium.com ainsi que les, sur les pages Facebook de Oui Casablanca et de Smart City Casablanca ainsi que sur la page Facebook ou plutôt la chaîne YouTube de Oui Casablanca. Je vous rappelle que c'est un événement organisé par Casablanca Events Animation en partenariat avec l'Wilaya de Casablanca avec notamment la Direction Générale des Collectivités Territoriales ainsi que la Commune de Casablanca. Tout ce programme scientifique qui a été concocté et développé a été développé en partenariat avec nos partenaires scientifiques, l'Université Hassan II de Casablanca, l'Université Polytechnique Mohamed VI de Ben Guerir. Monsieur Jouahri est là, bonjour. J'avais appelé également Madame Hakima Fosli, vice-présidente du Conseil de la ville de Casablanca pour cette cérémonie de clôture. J'invite également Madame Awatef Hayar, présidente de l'Université Hassan II de Casablanca, directeur de l'école d'architecture, planification, design de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Bengale, justement pour faire le bilan de ces jours, de ces débats passionnants et riches. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses à travers ces deux jours, que Casablanca est une ville en mouvement, est une ville qui aspire à devenir une smart city et on a tous les prérequis et toutes les conditions nécessaires pour y arriver. On attend juste Madame Hayar. Parfait. Tout à fait. Je pense que là, on est en train de réfléchir à des solutions et pour résoudre. On a vu tout à l'heure l'exemple de Stockholm qui donne plus, qui donne la priorité au transport public et ça pousse les gens à abandonner leur voiture et prendre le tramway, pourquoi pas le tramway de Casablanca. Qui est d'ailleurs très agréable. Tout à fait. Donc on va plus abandonner nos voitures et emprunter le tramway. Ça va réduire à la fois l'empreinte carbone et congestionner les villes de Casablanca. Jouahri, vous voulez qu'on part? Donc, parole est à justement par rapport à cette nouvelle édition du Smart Casa, ici Casablanca Symposium. Merci beaucoup, Sémédé. Bonjour à toutes et à tous, gros bonjour pour certains. C'est vrai qu'on est toujours plus à l'aise à la clôture qu'à l'ouverture. Donc,
mesdames et messieurs les intervenants, mesdames et messieurs les participants, aussi bien en présentiel qu'en à distance. J'aime pas trop le mot virtuel parce qu'on a l'impression que c'est des gens qui n'existent pas. Donc, je dirais plutôt à distance ou digital. Chers partenaires, chers invités, donc nous arrivons au terme de deux journées d'intenses réflexions, au point qu'il y avait des nuages au-dessus de Hayat, et de riches échanges et de partages. Donc, permettez-moi à cette occasion de vous adresser un sincère remerciement pour votre participation effective aux travaux de cette édition inédite Smart Casablanca Symposium. C'est tenu dans un format, comme vous l'avez constaté, hybride, via une plateforme digitale et non virtuelle, en transmission et en live à travers l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et je me permets de faire une petite parenthèse pour souhaiter la bienvenue à notre chère présidente, Madame Hayar Mahbabik. Voilà. Donc, on est au complet simulé. Tout à fait. Voilà. Je dois recommencer? Non, je pense que tout le monde actuellement attend le bilan. Je pense que c'est le point d'ordre. Il y a eu pas mal de recommandations. C'est... Tout à fait. Mais ça, de toute façon, je vais le laisser à mes chers professeurs qui seront plus à même de le faire avec une manière encore plus scientifique et plus sage. Alors, donc je tiens, moi je vais surtout remercier beaucoup de gens. Je tiens donc à remercier tout particulièrement les conférenciers, parce que la vérité, ils étaient présents d'une manière magistrale pour leurs exposés donc d'une très grande qualité. Ils étaient plus de 50 speakers, experts internationaux et nationaux à animer les deux journées d'une manière magistrale, je le dis avec beaucoup de fierté, mais aussi à vous remercier, vous, chers participants, en monde présentiel ou digital, d'avoir répondu présent et pris part sur votre temps pour nous suivre pendant ces deux journées. Cela nous honore et nous engage à œuvrer encore plus et avec ardeur pour apporter notre pierre à l'édifice pour le développement de Casablanca tout en faisant preuve de résilience. C'est que la thématique retenue pour cette édition, à savoir Smart City au service de la résilience et la régénération territoriale, est plus que jamais d'actualité. Et d'ailleurs, je me permets dans ce sens et pour témoin d'utiliser la conclusion de notre cher Wally, directeur général des collectivités territoriales, qui était plus que pertinente, et je me permets, sans avoir demandé le droit d'auteur, à la partager avec vous, et j'en donne lecture. Une ville intelligente est avant tout le fruit de l'intelligence collective, de ses forces vives, et que nous devons tous œuvrer pour construire les villes inclusives, résilientes, innovantes, avec la puissance de la technologie au service de la qualité de vie de nos concitoyens. Je pense qu'il a tout dit. Dans ce sens, et pendant les 4 éditions de Smart City Africa Casablanca, et plus cette édition de symposium organisée grâce à des acteurs ancrés localement, tout en étant en phase avec les tendances internationales, nous tenons à vos propos à l'effervescence de l'écosystème marocain et casablancais en particulier. Donc, avant de clôturer officiellement les travaux de cette édition, je souhaiterais exprimer à travers l'intervention toute la reconnaissance que je ressens envers tous les partenaires qui nous ont soutenus pendant les 5 dernières années. Et je commencerai bien entendu par le partenaire stratégique, à savoir la wilaya de la région Casablanca, la direction générale des collectivités locales, à sa tête, Monsieur le Wali Khalid Safir, le conseil de la ville de Casablanca. Mes remerciements aussi à notre comité scientifique, et c'est plus que des remerciements, c'est une reconnaissance et une gratitude, à l'université Hassan II de Casablanca et à sa tête, Madame Hayar, à l'université Mohamed VI Polytechnique Ben Gurion, avec son représentant, et quel représentant, c'est Hassan Redouane, qui n'ont épargné aucun effort et aucune erreur pour faire nos éditions Smart City vraie réussite. Et je dis avec beaucoup, beaucoup de fierté, aujourd'hui, depuis 2019, nous offrons des éditions 100% marocaines. J'insiste sur ce point-là. Et bien sûr, pour ces universités, je tiens également à remercier les étudiants de ces deux universités parce que sachez que c'est eux qui ont assuré
toute la fonction du rapporteur pendant les 48 heures de cet événement. Et bien sûr, nos partenaires médias qui nous soutiennent et depuis le 2016 et qui assurent un fort rayonnement et une grande visibilité à nos événements. Et je me dois de les citer. Donc, 2M, le groupe 2M, aujourd'hui le Maroc, le matin, Panora Post et Maroc Diplomatique. Et bien sûr, puisque j'ai presque fini, je ne saurais finir ces mots sans rendre hommage à l'équipe de Casa Events et Animation. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, qui a fait preuve, et je suis témoin, tout au long de la préparation de cet événement et pendant son déroulé, d'une grande implication et surtout d'un grand dévouement sans faille, pour une seule motivation, c'est être à la hauteur des chantiers transporteurs et transformateurs pardon, de notre pays. Donc, merci, merci et merci. Oui, Casablanca. Merci, monsieur Mohamed Jouhari, directeur général de Casablanca Events et Animation. Maintenant, j'invite madame Hakima Fosley, vice-présidente du conseil de la ville de Casablanca. La parole est à vous, madame. Bismillah, salatu wassalam wa rasulillah. Honorable assistance, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, que dire après les remerciements de monsieur Jouhari? Alors, moi, je suis aujourd'hui, je représente la commune de Casablanca. Et vous savez, Casablanca, elle a toujours été un laboratoire pour différents projets et programmes. Et comme à son habitude, elle a été aussi un laboratoire pour ce projet de Smart City qu'on a débuté depuis le début avec Casa Event, avec nos SDL, essentiellement Casa Event, Casa Prestation, mais aussi avec des chercheurs comme Madame Awatef Haya et aujourd'hui avec l'université à sa tête. Avec Hassan Ardan, je le connais donc Hassan Ardan, et après représente l'université Mohamed VI. Donc ces personnes-là, ils ont débattu, ils ont défendu, ils ont réfléchi à quelle vision, quelle forme on voudrait donner à cette transformation de la ville de Casablanca. Ceci n'a pas été un chemin facile. Ça a été des réflexions, des discussions vraiment très vives et qui ont donné véritablement des résultats très, très bénéfiques. Casablanca est la première ville africaine à intégrer ce programme avec, bien sûr, ses chercheurs, essentiellement les professeurs qui sont avec moi et bien sûr qui me sont toujours chers, on a toujours besoin de chercheurs, mais c'est aussi avec les Casablancais, avec l'administration de la commune de Casablanca, avec tous les SDL de Casablanca et surtout la SDL Casa Event et tous les personnels de Casa Event avec à sa tête monsieur l'extraordinaire monsieur Jouhari et aussi notre SDL Casa Prestation qui a la responsabilité de développer et aussi de décliner notre schéma directeur de transformation numérique. Donc, nous, Casablanca, un travail qu'on a commencé depuis 2015-2016, on l'a commencé de façon pragmatique, de façon scientifique et aussi de façon politique et économique. Ce qui fait, c'est une expérience nouvelle, c'est une expérience très, très intéressante. D'après moi, c'est quelque chose de très, très positif qui va rester dans l'histoire de cette ville que de développer ce concept pour Casablanca. Alors, Smart City Casablanca, c'est pas quelque chose de nouveau. Casablanca a toujours été intelligente de par son histoire, de par son positionnement, de par sa culture, de par sa diversité, de par ses habitants. Casablanca a toujours été intelligente et le sera toujours. Ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, c'est essayer de formaliser ce développement, c'est essayer de chercher des solutions pour avancer encore plus vite. Tout à l'heure, notre modérateur, il a parlé du transport. C'est vrai que nous, on est la première ville à commencer ce programme de changement de mode de transport en ajoutant à côté des bus les trams, aujourd'hui les BHNS, et Inch'Allah, et on aura d'autres formes. C'est nouveau. Et on remarque que les gens, lorsqu'ils voient les nouvelles transformations et leur pose de transport tous les jours, les gens, ils sont mécontents, c'est énorme. Mais après, ils sont contents du résultat. C'est la même chose avec Smart City. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne voient pas l'intérêt
pour Casablanca d'être smart, alors qu'elle a d'autres problèmes. Mais moi, je leur promets, et bien sûr, je dis sous la responsabilité du comité scientifique, je leur dis, vous allez voir, on va avancer plus vite, on va toujours être, Inch'Allah, premier, on va toujours œuvrer pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Et lorsque je dis « on », c'est encore fois nous tous. Casablanca ne peut avancer qu'avec tous les forces vives de ce territoire. L'université, les élus, les institutions, la société civile, les entreprises privées, tous ces constituants doivent travailler en concertation pour qu'on avance encore plus vite. Et les conférences Smart City, mais cette année c'est sous la forme d'un symposium, il démontre cet esprit d'équipe qui, si jamais il est mis en concertation, va réussir encore plus vite. Ce qui fait, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé pour la réussite de ce symposium. Je remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'à maintenant avec vous, avec nous et avec vous aussi, parce qu'il y a des gens qui, je crois, qui nous suivent à distance. Je remercie toutes ces personnes-là qui nous ont fait confiance, qui continuent de croire en ce programme. Je remercie aussi tous les intervenants qui ont été présents ou même ceux qui ont fait leur présentation à distance. Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez démontré, tout ce que vous avez défendu est important. Il va être pris en considération. Encore une fois, mille fois merci. Merci à vous et on se retrouve, Inch'Allah, l'année prochaine. Merci beaucoup, Madame Hakima Asli, vice-présidente du Conseil de la ville de Casablanca. C'est que ce symposium est une preuve que Casablanca est sur la voie de devenir une smart city, et c'est que prendre un tramway était agréable, surtout dans une connectée et climatisée. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Awad Haya, présidente de l'Université de Casablanca. Je pense l'occasion un petit peu de restituer toutes les recommandations. Je pense qu'il y avait une effervescence de propositions et de recommandations à la fois intelligentes, pratiques et technologiques. C'est à vous, Madame. Très bien, merci. Je vais restituer une partie. Je laisserai le soin à mon collègue, professeur Douane, de faire la suite. Donc, bonjour, bonjour mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous, présents et à distance. Donc, à mon tour, je remercie tous les acteurs qui ont permis la réussite de cet événement, Casablanca Smart City Symposium. Notamment, bien évidemment, Madame la ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme et politique de la ville, l'habitat et politique de la ville, messieurs les ministres de l'éducation nationale, formation professionnelle, enseignement supérieur, recherche scientifique, et monsieur le ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, monsieur le Wali de la région de Casablanca, STATS, monsieur le Wali de la directeur de la DGCT, monsieur le président du conseil de la ville de Casablanca, madame la vice-présidente, que je salue parce qu'elle est restée les deux jours, elle était très impliquée dans les débats et dans les interventions, monsieur le directeur général de Casablanca Event et Animation, mon collègue, donc comme co-directeur, co-président du comité scientifique, professeur Hassan Adouane, représentant aussi de l'université polytechnique, Mohamed VI Polytechnique de Ben Gurion, bien évidemment, au nom de l'université de Casablanca. Je tiens à remercier les intervenants qui ont intervenu en présentiel, donc ici dans la salle de conférence, mais aussi à distance, qui ont intervenu à travers le monde. Donc, c'est un événement international. Nos intervenants marocains, nous sommes fiers de nos universités, de l'Université Hassan de Casablanca, de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Gurion, et aussi les intervenants, les écosystèmes d'innovation, les acteurs de l'innovation, les acteurs économiques, les startups, les acteurs de l'innovation territoriale et de l'aménagement territorial en général. Bien évidemment, n'oubliez pas les étudiants de l'Université Hassan de Casablanca, l'Université Mohamed VI Ben Gurion, les étudiants de l'Université Hassan de Casablanca, je tiens à citer particulièrement les étudiants de l'UNCG, les étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Benzik, donc qui ont intervenu avec les professeurs Al-Alaoui de l'UNCG et aussi professeur Al-Ghibi de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Benzik,
les uns sur la partie, une partie, on va dire, version française et sur la partie version anglaise. Donc merci à tous et à toutes. Cette édition était très intéressante. Elle a apporté une brique supplémentaire à l'édifice de Casablanca Smart City, notamment avec cette contribution très pertinente et très intense de tous les intervenants sur l'importance de la Smart City pour justement renforcer la résilience et la régénération territoriale, notamment dans le contexte Covid. Donc, il a été rappelé dans les différentes interventions. D'abord, l'impact de la pandémie, hein, l'impact économique et social qui est lourd, mais aussi comment s'en sortir et comment on est sorti déjà dans la période qui s'est écroulée, hein, très difficile, donc depuis le confinement, depuis la pandémie, et comment on pourra s'en sortir par la suite par la digitalisation, la transformation digitale, mais surtout l'innovation territoriale, l'innovation humaine, hein, c'est l'humain, le capital humain, c'est le plus important, je l'ai dit, je le redis. Donc, et surtout comment conjuguer les efforts et les intelligences. On a parlé des intelligences collectives, et je pense que Casablanca apporte quelque chose de plus dans le on va dire débat et la contribution scientifique internationale, dans le sens où on a insisté autant sur l'intelligence collective au sens large ou augmentée, c'est-à-dire l'intelligence humaine et l'intelligence technologique. Comment on peut conjuguer justement l'intelligence humaine et l'intelligence technologique? J'aime pas les mettre sur le même niveau, excusez-moi, je suis quand même, je tiens à quand même, l'intelligence c'est humaine, elle est humaine d'abord. Je dis en général l'intelligence humaine augmentée par la technologie. Comment cette intelligence augmentée, cette notion de cyber physical system, bien évidemment avec l'approche intelligence artificielle, comment cette intelligence collective augmentée va nous permettre de nous régénérer, de travailler à régénérer les territoires, à créer une dynamique et une émulation qui va permettre grâce au digital d'activer toutes les forces vives de la ville et surtout de les interconnecter pour faire une force extraordinaire de régénération de la ville. Alors, j'aimerais juste avant de conclure signaler quelque chose de très important. Je pense qu'on est arrivé au bout de toutes ces éditions, hein, donc on est à la 5e édition, on est arrivé à une maturité, j'allais dire, à une maturité dans la conception, dans la réflexion sur le concept Casablanca Ville Intelligente. Vous savez qu'on a démarré de nous disons nous les ingénieurs from scratch. Donc nous avons démarré vraiment en 2014-2015 et la première édition en 2016. Donc il a fallu d'abord faire un travail de sensibilisation, de vulgarisation, de formation, et je suis fière de constater à travers les différentes interventions de ces deux jours qu'il y a maintenant un écosystème scientifique, mais aussi de start-up, d'acteurs d'innovation, d'acteurs institutionnels, d'acteurs économiques qui sont tous, on va dire, sensibilisés à la thématique de la Smart City et surtout cette Smart City Casablanca qui est spéciale. Et l'histoire va nous aider à s'en rappeler. Smart City Casablanca est vraiment une innovation au niveau mondial, dans le sens, comme je l'ai dit, qu'on met le citoyen au cœur de cette transformation digitale et qu'on s'appuie sur la technologie pour cette intelligence humaine augmentée. Donc nous sommes arrivés à une maturité, mais il faut pas concret, qu'on passe à la déclinaison de projets, de quick wins, et c'est dans ce sens où je suis ravie de voir qu'avec l'Université Mohamed VI Polytechnique de Bentrir, avec Casa Event, avec tous les acteurs institutionnels, économiques et d'innovation de la ville, nous sommes tous prêts
et à travailler ensemble pour que très très rapidement vous allez entendre parler de nous bientôt très rapidement. Donc on va travailler à associer toutes ces forces vives, toutes ces intelligences pour justement dans une approche d'innovation territoriale collective, nous allons travailler ensemble à amorcer ce processus de régénération. Bon, la ville de Casablanca s'en est plutôt bien sorti, on va dire, mais bon, il y aura des statistiques et des études qui vont nous dire quel était l'impact. Mais Casablanca est une ville qui résiste. Vous savez, hein, c'est oui, Casablanca, ça veut dire ensemble, nous ensemble. Tout seul, on peut rien faire, mais nous tous ensemble, on peut aller très bien. Je suis casablancaise, donc je peux dire que nous connaissons ce que c'est que le système D, hein, on se débrouille. On est tous des petits débrouillards. Alors comment justement connecter les énergies et les forces de tous ces petits débrouillards pour qu'ensemble on va décliner des projets concrets de Casablanca. Voilà. C'est un plaisir pour moi de participer à cette édition, comme les quatre dernières éditions aussi. Mais je suis très heureuse aujourd'hui parce que je veux dire une visibilité. On commence un petit peu. C'est comme si on est dans un navire, on commence à voir un peu la côte. Donc, je suis très heureuse et je pense que bientôt, là, ensemble, on va donner naissance à un projet concret qui illustre cet esprit innovant et de la ville Casablanca Smart City. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Priya. Et il faut dire que Smart City Casablanca Symposium était en quelque sorte une tribune qui a braqué les projecteurs sur les recherches, les travaux et tout le potentiel de nos universités et chercheurs que je tiens d'ailleurs à féliciter pour tous leurs travaux. Félicitations, monsieur, et merci beaucoup pour votre implication pour la ville de Casablanca. Monsieur Hassadouane, la parole est à vous, directeur de l'école d'architecture, planification et design de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Pune. Merci, Mehdi. Comme on est le co-président, et d'ailleurs, quelle fierté d'avoir professeur Awad à l'école. On a travaillé ensemble des années maintenant et on partage la même perspective sur cette notion de smart. J'oublierai jamais après mon retour des Émirats, de l'Angleterre et des États-Unis. Je parlais à l'époque de la résilience, de la durabilité et smart, et le monde était en train de dire qu'est-ce que ce monsieur il est en train de dire. Mais maintenant, ce mot-là devient vraiment le buzzword. Et même, on est très content d'avoir le nouveau rapport, du nouveau modèle du développement humain. Donc, on est très content de voir comment le développement durable doit être entamé, conçu et réalisé sur le terrain. Donc, madame, messieurs, chère audience, pourquoi je vais lire? Parce que j'ai sorte de restitution, d'accord, pour les différentes interventions. En tant que co-président du comité scientifique et en tant que représentant de l'Université Mohamed VI Polytechnique, il m'est agréable de vous revoir à la fin de ces deux journées intenses de discussion sur la Smart City comme levier pour la résilience et la régénération. Les plénières nous ont donné une riche opportunité de discuter et d'acquérir des connaissances, tandis que les ateliers ont accompagné des discussions d'exemples concrets qui serviront évidemment de bonnes pratiques. Et on a plusieurs bonnes pratiques. C'est ça la bonne nouvelle de ce symposium. Ce fut un engagement intéressant, associant des universitaires, des fonctionnaires, la société civile, les experts et les startups. L'UM6P, en tant qu'université du 21e siècle, a su tirer parti de la puissance de la transformation numérique en l'inculquant dans son ADN pour conduire une utilisation intelligente, inclusive, développer des projets de recherche qui impactent les territoires, transformer la société marocaine. Et le fait de choisir la région de Hamna, une petite ville intermédiaire de Ngril, pour qu'il soit bien sûr le site de cette université, c'est une preuve que la régionalisation avancée ne peut se passer qu'à travers le savoir et l'intelligence humaine marocaine ancestrale. Celles-ci sont rendues possibles par les différents départements, bien sûr, différents départements,
start-up laboratoire de l'UMCXP. L'UMCXP, ce n'est pas une université ordinaire, mais une université où il y a une infrastructure ferme expérimentale, le Green Energy Park, dont Sir Ahmed nous a bien fait une présentation. Bien sûr, la mine expérimentale, la ville verte expérimentale, et puis le grand calculateur de l'Afrique. Le grand, c'est pas le mot grand que pour dire grand, non, c'est le grand incubateur de l'Afrique pour les start-upers. Et je vais que citer quelques exemples. Bien sûr, si j'oublie d'autres laboratoires et d'autres structures de l'IM6P, je m'excuse pour les autres collègues. Donc, cette infrastructure intelligente n'est pas une infrastructure du privé, parce que l'IM6P, c'est une université citoyenne qui est sorte de catalyseur de la scène de la recherche, recherche-action, développement, innovation sur tous les secteurs. Parce qu'on ne peut pas parler de la ville intelligente sans parler de santé, l'intelligence dans la santé, l'intelligence dans l'éducation, l'intelligence dans les territoires, l'intelligence des communautés, l'intelligence des collectivités. Donc, c'est sigma des intelligences qui est le toit intelligent. Et bien sûr, je remercie l'Université Hanan II qui prospecte aussi un meilleur avenir et de développement des liens forts pour soutenir la vision de Casablanca. Dans ce sens, je remercie professeur Awatef Hayar, comme vous l'avez constaté, je ne suis pas en train de jeter des fleurs, attention, c'est une dame qui a travaillé dès le début sur cette notion de smart plus que je ne sais pas combien d'années, et je pense qu'il mérite des applaudissements de Paris. Et pertinent de souligner, à travers, bien sûr, les diverses interventions, il a été souligné à maintes reprises la définition partagée que nous avons en particulier concernant la constitution de la Smart City en mettant fortement l'accent sur l'humain, un point focal. C'est très important. Donc, le smart, c'est gadget, l'intelligence et humaine. D'accord? Quoique, bien sûr, le smart, c'est la même chose en anglais, donc il y a une dualité lorsqu'on parle de smart and intelligence. Intelligence is cognitive, c'est cognitif, ne peut être que humain. La smart, c'est l'efficacité d'utiliser un outil. Donc c'est très important de faire cette distinction terminologique et épistémologique. Et dans ce sens, donc la cérémonie d'ouverture, comme vous l'avez bien constaté, a donné la possibilité d'écouter et d'apprendre de hauts responsables publics. Et ça, c'est une bonne nouvelle, qui nous ont donné un avant-goût des efforts énormes mis en place pour soutenir la transition de tout le pays, le Maroc, vers une société intelligente et smart. C'était intéressant d'écouter les différents programmes des collectivités territoriales et du ministère de l'Éducation, ministère de l'Urbanisme, l'Aménagement territoire. Donc, la première plénière a commencé par une provocation du keynote speaker, d'accord, donc Pierrot, qui nous a demandé de développer non seulement des villes intelligentes, mais également des villes créatives. Et lorsqu'on parle créative, cette créativité ne peut être stimulée que par l'humain, d'accord? Mais la question des résolutions innovantes des problèmes qui donnent ce côté du smartness. La discussion de divers speakers, donc lors du panel, a souligné la nécessité de villes intelligentes centrées sur l'humain, donc des villes intelligentes qui s'étendent au-delà de l'infrastructure numérique, mais qui placent l'humain, l'intelligence humaine, au centre de l'intelligence numérique. Et je dis tout le temps, on ne peut pas substituer l'intelligence humaine par n'importe quel algorithme. L'algorithme, c'est un algorithme. Donc, si vous voyez un robot parmi nous qui est en train d'entendre cette conférence, donc on est dans la vraie intelligence artificielle. Si vous ne voyez pas un robot qui est en train de répondre à des questions, donc s'il vous plaît, il ne faut pas donner beaucoup de valeur à un outil et oublier
notre vraie valeur. Donc, le premier workshop sur la planification et gestion territoriale intelligente a apporté des éclairages intéressants tels que la nécessité de repenser les gadgets intelligents en ville, la nécessité de soutenir l'entrepreneuriat pour promouvoir des territoires intelligents et l'accompagnement des startups comme acteurs clés de l'innovation urbaine. Et lorsqu'on parle startup, s'il vous plaît, c'est pas seulement une tendance, non. Les startups, c'est pas seulement des jeunes, mais toutes les couches de la société, tous les âges doivent se réinventer et doivent être des entrepreneurs. Donc, lorsqu'on dit start-up, c'est pas le start-up dans le sens de la folie, mais dans le sens de simulation des synergies des humains pour réorienter leurs établissements humains pour qu'ils soient inclusifs, durables et résilients. Le deuxième workshop sur les collectivités territoriales marocaines à l'heure de la transformation digitale a réuni des acteurs importants de l'administration publique et de la communauté des startups pour nous donner un aperçu du grand chantier de la digitalisation propulsé par un exemple bien sûr par la nouvelle loi 55.19. Et d'ailleurs, le projet qui est un projet phare, c'est OpenGAV Maroc, qui est un projet si important. Donc, cette deuxième journée a commencé par la plénière sur la résilience territoriale et l'innovation sociale, qui nous a donné des perspectives très intéressantes sur l'innovation sociale pour booster la résilience territoriale. Le premier workshop de la journée, Régénération urbaine, approche et pratique innovante, nous a permis d'explorer différentes approches et projets de régénération. La troisième plénière sur la transformation digitale des services et usages a permis d'apporter des perspectives diverses sur la manière dont la transformation numérique doit se passer. Donc, le dernier workshop, la ville servicielle, City as a Service, les infrastructures digitales pour la performance territoriale, a proposé des modèles de la nouvelle façon d'appréhender la prestation de services dans la ville. Donc, comme vous l'avez vu, on est très fiers du professeur Awatef Hayar. Donc, lorsqu'on a mis le programme, c'était comme sorte de, on est en train de mettre des hypothèses. Mais attention, c'était pas des hypothèses qui ont été bien sûr conçues de vide, mais on est sur quatre événements maintenant de la Smart City. Donc, pour ne pas tarder, j'ai seulement quelques recommandations, donc, mais il y a d'autres recommandations. Et je vous invite en tant qu'audience, en tant que les experts qui ont contribué, les chercheurs, de nous envoyer, s'il vous plaît, vos recommandations. D'accord, c'est très important. Donc, quelques recommandations. Comment créer un écosystème d'innovation territoriale, multi-acteurs, institutions académiques, publiques et gouvernementales et le privé, dont le triptyque de formation, recherche, innovation, entrepreneuriat. Sans l'université, sans le savoir, on ne pourra jamais arriver à un Maroc éclairé, développé, démocratisé. C'est très important. Et positionnement de la ville de Casablanca comme Living Lab de la Smart City. Et cette ville, cette métropole, elle mérite d'être déclarée smart de par son histoire riche, de par aussi les différentes expérimentations. Et d'ailleurs, depuis le protectorat, la ville de Casablanca, attention, lorsque la France n'avait pas la loi d'urbanisme, le premier plan de restructuration de Casa par Henri Prost était une inspiration pour faire la restructuration de Paris vers 1929. Donc, c'est très important de dire que Casablanca, c'était aussi une ville d'expérimentation depuis le protectorat. Pour ne pas tarder, donc créer un baromètre de la ville intelligente marocaine s'appuyant sur l'expérience pilote de l'écosystème des savoirs, des villes nouvelles, des villes vertes, des villes smart, comme ville de Benguerir, Mazagan et d'autres, parce qu'on a la ville existante, mais on a aussi des laboratoires des villes nouvelles. Reposer la ville intelligente comme catalyseur de l'intelligence des communautés, le génie savoir-faire local et de construire une ville centrée sur l'humain. Pour ne pas tarder, le dernier mot, c'est vraiment de remercier et de féliciter c'est Mohamed Jouari pour les efforts de Casa Event Animation. Ce ne sont pas des mots, vraiment, j'ai vu moi-même
comment l'équipe de Casa Event s'est vraiment investie pour garder la qualité. J'ai toujours un sort d'anecdote, c'est un colo fornaci ou le halwa. Donc la pâtisserie dans la vitrine, ولكن c'est واحد ما يشوف الفرناتشي. Donc ici vous avez des gens qui ont vraiment travaillé pour assurer cette qualité, je dis une qualité internationale. Merci Sijouari, merci Khadija, et je peux pas me rappeler de tous les noms de l'équipe de des membres de l'équipe de Casa Event. Je remercie aussi madame Fosli. Comme vous avez vu, donc c'est pas un engagement seulement du côté politique, mais c'est un engagement aussi personnel, par conviction. Et on a besoin des acteurs politiques qui sont convaincus par ce chantier de transition de la ville de Casa vers une vraie ville smart. Et enfin, je remercie les professeurs, les responsables de l'université Hassan II et les étudiants de l'université Hassan II. Je remercie aussi l'équipe des chercheurs de l'université Mohamed VI Polytechnique, les étudiants et doctorants de l'université Hassan II, de l'université Mohamed VI Polytechnique, d'ailleurs, et qui ont venu de Ben Gurion à Casa pour conquérir Casa. Non, c'est dans le bon sens. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Et comme l'a bien souligné professeur Awatef, the next step, concrete actions. Donc, on va, Inch'Allah, projeter et lancer de vraies actions entre les partenaires clés de cette aventure Smart City Casablanca. Je vous remercie à bientôt. Merci beaucoup, monsieur Hassan Abdouane. Je donne la parole avant de clore ce symposium à monsieur Joël. Je sais que j'ai créé une entorse, on va dire, au déroulé. Donc, je m'en excuse. En fait, je cherche un prétexte pour vous retenir. Alors, plus sérieusement, juste par équité vis-à-vis de l'équipe de Casa Event et Animation, Hassan Redouane a cité le nom de Khadija, mais je voudrais quand même citer quand même mes autres collaborateurs parce que la vérité, il n'y en a pas un qui a fait plus de la mission. Donc, je voudrais remercier Yulha Khadjawahi, Kina Choukri, Ibn Al-Hafé, Cyril, Mehdi, Iman, et je suis fier et je le serai toujours de l'engagement de cette équipe. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo à toute l'équipe de Casa Event Animation. Merci à. Merci à vous aussi. Merci à vous. En tout cas, on a une cérémonie de clôture qui est paritaire, ce qui est excellent. Merci à vous. Merci à vous aussi, les étudiants, à tous les experts qui nous ont accompagnés tout au long de ces deux jours. Un événement riche d'enseignements, riche de pistes de sens, de relations humaines. J'espère vous retrouver la prochaine et connaître de vous, de votre vie. Merci et au revoir. Thank you.